What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. à washington la bataille s'intensifie entre donald trump et jack smith les petits candidats pourront-ils faire basculer l'élection les procès de donald trump c'est la chute et c'est maintenant Bonsoir, bonsoir tout le monde. Heureux de vous euh, retrouver pour notre émission hebdomadaire La Chute. Ce n'est pas un space, ce n'est pas une édition spéciale, c'est notre magazine hebdomadaire, pas notre nouveau magazine hebdomadaire. Vous allez pouvoir découvrir à partir de demain, si vous n'êtes pas un euh, de nos membres euh, sur Kiss, Kiss Bang Bang, euh, la, le nouveau format de La Chute, La Chute Express. Et. Euh, une émission de oui, c'est un miracle, de moins de 20 minutes pour euh, tout vous dire sur 2024 et les procès de Trump. C'est quelque chose qui sera donc disponible sur YouTube le dimanche, qui est disponible dès le vendredi soir, le samedi matin pour euh, celles et ceux euh, qui nous soutiennent. C'est notre manière de les euh, euh, remercier. Ça ne veut pas dire que l'on va, va arrêter nos formalons. Je tiens à nos formalons. Je tiens à prendre le temps. De vous expliquer les choses en détail, de vous donner un maximum euh, d'informations. Ce sont des problèmes complexes qui, des fois, nécessitent des réponses euh, complexes. Euh, je suis volontairement, je souhaite m'inscrire dans le contre l'ère du temps où euh, on nous donne des euh, informations virales, de plus en plus, euh, de, des formats de plus en plus prémâchés, de plus en plus courts. C'est cette volonté de toujours simplifier qui rend euh, tout euh, au même niveau, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus vraiment la différence entre tel ou tel candidat, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'il y a cette espèce d'uniformisation de l'information pour vous offrir quelque chose de prémâché. Moi, je veux prendre le temps. Il y a eu le « fast food ». Euh, le mouvement contraire était le slow food. Ben, moi, ça sera les slow news. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est le, le format euh, d'autonomie de des émissions. On va prendre le temps. Mais donc, je comprends aussi les, euh, les obligations de chacun et chacune euh, qui ne peuvent pas forcément euh, prendre les heures avec nous. Hein. Je ne vous dis pas les éditions spéciales qu'on a fait la semaine dernière. Je crois qu'on a eu euh, 13, euh, 13 heures au total, hein, 13 heures d'émissions euh, euh, non-stop. De, euh, sur les procès, les procès Trump. Bon, on va reparler aujourd'hui des euh, procès Trump, mais euh, donc voilà, donc, euh, on va aussi, pour ceux, celles et ceux qui n'ont pas le temps, euh, les, euh, les leur donner ce format hebdomadaire, ce résumé de tout ce qui s'est passé en actualité. Je sais qu'il y a plusieurs des chutistes qui ont déjà vu l'émission ce matin et les retours sont vraiment formidables. Merci, merci, merci beaucoup. Et. Euh, et au-delà aussi, une autre nouvelle, hein, j'en profite là tant qu'on est tout, euh, tous ensemble. Euh, la semaine prochaine, euh, on va reprendre le format audio euh, pour les podcasts qui vous permettra de nous écouter en faisant votre sport, en étant dans les transports en commun, en, en brûlant moins de bandes passantes que d'être sur YouTube. Euh, ça sera uniquement les émissions euh, du, euh, du samedi, notre grosse émission, notre grosse la chute. Euh, pas les Space, pas les éditions spéciales, mais donc voilà, on. On sera de retour sur vos plateformes habituelles, Spotify, Apple, Google, etc., etc. Je sais que vous étiez nombreux à réclamer ça. Euh, ça a pris euh, le temps qu'il fallait pour le faire comme il faut. On essaye toujours de vous proposer des produits de qualité euh, en tant que euh, en tant qu'artisan euh, euh, artisan de, artisan de l'information. Et c'est clair, comme vous l'a dit Cody, tout ça, évidemment, est possible grâce à votre euh, soutien, que ce soit ici sous forme de euh, super chat, que ce soit ici euh, sous forme d'emoji de, de, en rejoignant les teams, les chutistes. J'ai pas vu la réaction... Euh, tout à l'heure, lorsque euh, vous, euh, vous avez découvert l'emoji de notre euh, fantomas, euh, et puis euh, euh, il y a les noms aussi euh, au pré-générique. Ouais, ça, c'est un des, une des contreparties de nous aider sur, euh, sur euh, Kiss Kiss Bang Bang, ou en plus. On a une, ch une chaîne, euh, on a un chat euh, Telegram, mais qui est, qui est de feu, euh, qui n'arrête pas 24h sur 24 avec tous vos amis euh, chutis, C'est super sympa. Euh, on essaie de temps en temps, entre deux ou trois euh, photos de chiens, de chats, de repas, de bêtises, euh, de vous filer aussi des infos exclusives sur ce qu'on est en train de préparer euh, pour vous, des liens, euh, des, 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 des graphiques, euh, pas mal de trucs. Et un des autres, une des autres contreparties, mais on fera une vidéo sur tout ça pour que vous compreniez bien. Euh, C'est euh, je vais me remettre à écrire des grands billets de blog, des analyses, euh, le baromètre de la chute, etc., etc. Ça fait partie tout ça de vos avantages. Voilà, euh, programme chargé. On se retrouve tout de suite pour les insiders euh, de la chute. C'est parti Donc, euh, bonsoir euh, les insiders de la chute, on va commencer tout de suite en mode breaking news. Euh, je sais que ça, ça, ça vous plaît bien. J'avais une autre section que j'ai fait sauter au dernier moment pour vous parler de celle-ci, euh, qui est la position euh, de Donald Trump et des avocats de Donald Trump par rapport à la question de euh, diffuser ou pas le procès de... Euh, de Washington, le procès fédéral pour la, les, toutes les questions autour du, autour du 6 janvier. On sait, on en a parlé la semaine dernière, la position de Jack Smith, donc le procureur, était de demander que les règles habituelles soient respectées. Les règles habituelles, ça veut dire que le procès soit ouvert au public, ouvert à la presse, mais ne soit pas diffusé. Euh, dans, dans les médias euh, en direct. Euh, évidemment, les médias souhaitent, euh, souhaitent le faire. Il y a des arguments, on en a parlé, euh, qui sont importants de le faire, la valeur, la valeur historique du moment, mais le, le point de vue de, de, de Smith était extrêmement intéressant. Il disait que par expérience, euh, on l'a vu dans les cas par exemple de criminalité organisée, que d'avoir les caméras euh, est une pression supplémentaire sur des témoins qui sont déjà menacé par, par Trump et ses, et ses supporters magas et que de les mettre à la télé les mettrait en danger. Ce qui est un point de vue qui est extrêmement intéressant. Je vous expliquais que le mien de point de vue était de filmer ce procès-là et comme on l'a fait en France par exemple pour le procès Barbie, le filmer, le garder et le diffuser d'ici quelques années parce que c'est un moment historique. Ce n'est pas un point qui était, qui était évoqué par Smith, mais en tout cas c'était sa position. Donald, euh, Donald Trump, lui, n'avait toujours pas donné sa position. On sentait qu'il attendait euh, que Smith euh, fasse euh, son premier pas pour aller dans la direction contraire. Et donc le nouveau round, c'est ça, c'est que donc, Trump, ce matin, a enfin euh, publié euh, sa position sur... Les, euh, sur le procès, le procès de Washington en prenant le contre-pied complet de, euh, de Smith en demandant que ce procès soit télévisé parce que je pense qu'on a les documents euh, parce que justement c'est une manière de démontrer que ce procès ne devait pas se dérouler dans l'ombre parce que c'est un procès politique intenté, toute la propagande habituelle de Trump intentée par, par, par Biden. Pour le faire, le faire tomber et que donc ne pas le diffuser à la télé, c'est pour justement cacher que c'est un procès politique et que lui est persécuté par tout le monde. Toute cette propagande. Donc évidemment, ces trois pages de déclaration sont vraiment. C'est plus un brûlot politique qu'un arrêt, un arrêt, un arrêt d'avocat. On sent que ça a été écrit pour l'opinion publique pour la base maga et pour faire plaisir à Trump qui est cité plusieurs fois sous le terme de président euh, président Trump euh, dont vous pouvez voir Thomas vous montre euh, des euh, extraits euh, et donc en gros il explique qu'il y a absolument absolument rien et que donc c'est vraiment une manœuvre une manœuvre politique et que lui est une victime politique vous savez que Trump a dit il s'est comparé par exemple à Nelson Mandela et il y a cette notion là donc maintenant qu'est-ce qui va se passer la magistrate va Va, va décider lequel des deux arguments euh, elle suit. Euh, J'imagine que euh, Smith a deux options là-dessus. Il va réinsister sur le fait que ça présente un danger. Donc c'est clair que d'un coup, si ce procès est télévisé, c'est un avantage pour Trump parce que c'est une manière de faire la pression sur les membres du jury et sur les témoins qui ne seront plus, euh, ne seront plus anonymes. On va le voir dans d'autres procès, le magistrat, justement pour éviter les menaces de Trump à décider de faire des, des mesures exceptionnelles, comme euh, de ne pas communiquer les, euh, les identités des membres du jury, de peur qu'ils soient euh, poursuivis par les... Les fans de Trump, on est quand même dans ce climat, hein, j'insiste là-dessus, qui est extrêmement étrange, où rendre la justice euh, contre Trump euh, n'est euh, absolument plus possible aux États-Unis parce que euh, ça s'accompagne, qui est le résultat de quelque chose qu'il a fait depuis 2016, de ce climat de peur, de violence, où vous avez des magistrats et des procureurs qui sont obligés d'être accompagnés 24 heures sur 24 par des hommes armés pour éviter d'être attaqués. Donc voilà, c'est ce climat qu'a instauré Trump. Ça fait partie de sa, de sa stratégie de défense. Je vous rappelle qu'un de ses tweets... Un de ses tweets, un de ses messages sur Truth Social, un de ses premiers messages au début de tous ces actes d'inculpation euh, était ce message euh, en plus, tout en, en majuscule, euh, sans donner de détails. Après, bon, il y a eu des excuses, mais sans donner des excuses sur la raison de ce message-là. Mais en fait, c'était clair que c'était un message de menace en disant si euh, vous. Euh, faites quelque chose contre moi je vais faire quelque chose contre vous donc c'est une, une pression envoyée aux témoins et aussi aux membres de jury donc c'est clair que si trump gagne cette bataille du projet du procès télévisé euh, c'est pour cet aspect là à son avantage je ne pense pas que les débats lorsqu'on va avoir beaucoup de républicains, dont Bill Barr, qui vont venir témoigner, euh, comment euh, et des avocats, euh, des avocats de la Maison-Blanche qui, euh, qui vont témoigner pour expliquer que c'est une seule décision de Trump et qu'il a refusé d'entendre la vérité, il a refusé euh, d'arrêter euh, toutes ces procédures pour réussir son coup d'État, ça va être négatif, mais dans un premier temps, c'est ça. Après, il y a quelque chose de à mon avis n'a pas se passer mais qui est, qui est assez intéressant qui serait de voir Jack Smith qui piège Trump à son propre jeu en disant qu'il il se range à la, à la décision et qu'il souhaite que le procès soit télévisé euh, je pense pas qu'on est dans cette partie d'échec là, je pense que les réserves de euh, Smith euh, et sont, sont sincères, on a Smith qui est vraiment un homme de dossier et de l'autre on a quelqu'un, et c'est normal, euh, qui est dans le discours euh, politique encore une fois, comme on l'a vu à New York toute la semaine dernière, lorsque le dossier est contre vous, lorsque la loi est contre vous, il vous reste simplement à faire du bruit et à gagner le procès au niveau de l'opinion publique, c'est ce qu'essaye de faire Trump et euh, le document d'aujourd'hui, euh, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'était la première nouvelle, breaking news, et on passe sur notre deuxième dossier insider euh, de la chute, on va parler des petits candidats parce que... Euh, la semaine dernière, il y a eu deux informations petits candidats qui m'ont amené à me dire, tiens, ça serait pas mal, euh, mal d'en parler parce qu'il commence à y, euh, y avoir du monde euh, qui euh, souhaite être candidat en 2024. Je dis souhaite parce que ce n'est pas certain que tous ces gens-là soient en bout de route euh, candidats, mais ils vont euh, mener euh, campagne, souvent des campagnes limitées, mais qui leur permet euh, d'avoir une attention euh, médiatique euh, dans le camp euh, démocrate. Je pense qu'on a peut-être une photo où il, y a tous les, où il y a tous les candidats, mais dans le camp démocrate, on a eu la candidature dans l'anonymat d'un élu, Dean Phillips, qui s'est présenté en alternative jeune de Joe Biden. Euh, ce qui est intéressant, c'est que son directeur de campagne est un ancien républicain, euh, donc euh, à garder en tête. Et ce qui est euh, assez fou dans le, euh, dans le lancement de campagne de Dean Willis, non seulement il y a eu une multitude de problèmes techniques, il n'a pas eu de chance, le pauvre, mais euh, au-delà de ça, euh, son, son annonce est passée euh, quasiment euh, inaperçue. Je pense que ce matin, son compte Twitter euh, était de euh, 20, 000, euh, 20 000 abonnés. Juste pour référence et pas pour me vanter, le mien est de 62 000. Donc vous voyez la différence d'écho. Donc ça c'est pour des nouvelles Il y a comme en 2020 Marianne Williamson aussi qui veut se présenter, qui a un petit peu cette... Cette candidate en mode spiritualité, euh, ésotérisme euh, et compagnie. Il y a la question, j'en parle dans La Chute Express, donc vous découvrirez ça demain euh, si vous n'êtes pas un de nos abonnés euh, Kiss Kiss Bang Bang, vous avez pu le voir dès aujourd'hui. Il y a la question de, 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 de Manchin, donc je ne vais pas spoil ce que je vous explique dans La Chute Express qui, d'après moi, Va se passer sur la question est-ce qu'il va être ou pas euh, candidat euh, du mouvement euh, No Labels. Et puis euh, il y a euh, trois autres candidats. Il y a Cornel West qui est un intellectuel de la gauche américaine euh, qui a essayé de se présenter euh, sous l'étiquette écologiste, euh, le Parti vert, puis finalement a renoncé pour euh, finalement être euh, candidat indépendant. Il y a Évidemment, on en a parlé plusieurs fois à RFK, euh, RFK Junior, euh, RFK Junior qui euh, mène sa campagne euh, sous l'étiquette indépendant euh, en sachant que euh, finalement lui aussi, une grosse partie de ses euh, moyens financiers vient de personnes qui ont soutenu Trump en 2016 et euh, en 2020. Je crois, on en a parlé, que la candidature RFK, le candidat officiel du mouvement anti-vax et de, nombreux, de nombreuses théories du complot, je pense que la candidature RFK est plus embêtante pour Donald Trump que Joe Biden. Et puis il y a le gros dossier, il y a le dossier Jill Stein. Jill Stein, excusez-moi. Jill Stein, c'est euh, cette euh, candidate verte qui s'est déjà présentée en 2012 contre Obama. Et puis surtout, c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui, en 2016, elle s'est présentée euh, dans cette espèce de triangulaire euh, entre euh, Hillary Clinton, Donald Trump et elle-même. Et donc, euh, elle a fait, euh, ce qui était un très bon score, au niveau national, en termes des votes, elle a représenté... 1% des votes. Alors, vous le savez l'essentiel aux États-Unis ce n'est pas le vote général, c'est pour ça qu'en 2016 d'ailleurs, Hillary Clinton a battu Donald Trump, mais Donald Trump est allé à la maison blanche parce que il a remporté les états, le nombre d'états nécessaires dont des états clés, on va on va voir un petit peu plus ça plus ça plus tard pour mesurer l'impact de la candidature Stein et euh, il a euh, il a remporté ces états-là, il a eu plus de 200 70 voix de, de grands électeurs, ce qui lui a permis d'aller à la Maison Blanche. Donc Gilles Stein, pourquoi c'est intéressant Parce que euh, parler de Gilles Stein, c'est de parler de Moscou. Et avant de parler de son voyage de Moscou, c'est revenir sur les preuves de l'interférence russe au moment de l'élection de 2016. On sait que les Russes ont tenté, euh, de manière euh, coordonnée ou pas avec la campagne de Trump, ça c'est un autre débat, Donc, on fera une émission un jour parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, mais les Russes, euh, en 2016, ont tout fait pour euh, interférer dans la, euh, la, la campagne américaine, euh, principalement euh, sur deux plateformes, Twitter et Facebook, en euh, créant non seulement des faux comptes, mais aussi en multipliant de, des, des théories de la, de la conspiration. Donc du côté russe, il y avait ces fameuses fermes de trolls qui poussaient en avant toutes ces théories de la conspiration, des fois des théories extrêmement, extrêmement ciblées. Je vous rappelle qu'une des stratégies de Steve Bannon en 2016, ce n'était pas de... amener les électeurs à voter pour Trump, mais à pousser les électeurs à ne pas voter pour Hillary Clinton, et entre autres dans la, dans la communauté afro-américaine qui est acquise à la cause démocrate. Il y a eu énormément de propagande sur Facebook pour inciter une partie de ces électeurs à ne pas aller voter pour Hillary Clinton, pas ne voter pour, pour Donald Trump, mais ne pas aller voter en espérant que ces gens qui resteraient chez eux ou qui voteraient, on va y venir, sur, pour un autre, un autre candidat, euh, bah, ça diviserait le, le vote démocrate et ça permettrait à Donald Trump d'être élu. Et on va voir si ça a été le cas ou pas. Et une, un des comptes qui a été le plus poussé, sans que cela prouve, qu'elle euh, était au courant, mais un des comptes qui a été le plus poussé par cette, cette euh, opération de propagande menée par Moscou, a été celui de Jill Stein, euh, qui a été mis en avant sur Twitter et sur Facebook par des milliers de faux comptes, qui, euh, des bots, qui euh, retweetaient euh, ces messages pour les faire monter dans l'algorithme et euh, du coup euh, d'avoir euh, son discours euh, mis en avant. Et le fait que la, souvent l'élection présidentielle, toujours l'élection présidentielle, c'est d'abord un, 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 un débat, un, une, une compétition de popularité. Et donc, euh, les, le problème de ces principaux petits candidats sans étiquette, c'est la reconnaissance nationale. Et euh, d'avoir eu ce soutien de la Russie derrière a permis à Jill Stein d'avoir une grande reconnaissance nationale. On a vu, elle a récupéré quand même 1% des voix euh, au, niveau, euh, au niveau national, donc sur l'ensemble euh, du pays. Et cette manœuvre des Russes est à mettre en parallèle avec cet autre événement dont on va parler, même si, encore une fois, j'insiste, ce, cet événement ne prouve pas que Jill Stein est une idiote utile de, de, de Vladimir Poutine. Mais voilà, en décembre 2015, Jill Stein est à Moscou. Elle est à Moscou. Invité pour le dixième anniversaire de la chaîne RT. Donc la chaîne RT, c'est la chaîne euh, officielle euh, du euh, du gouvernement euh, de Poutine. Euh, c'est une chaîne qui euh, est interdite maintenant dans de euh, nombreux pays pour avoir poussé de la propagande russe, pour avoir poussé de la propagande euh, euh, anti-vax, euh, par exemple, pour être aujourd'hui ouvertement Anti-Ukraine, c'est un vecteur, c'est une chaîne de propagande. Ce n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne de propagande. Et bon, donc déjà, ce qui est troublant, c'est que euh, Jill Stein était invité pour euh, les 10 ans de l'anniversaire de cette chaîne à Moscou. Une chaîne qui, tout le long de la campagne 2016, va faire de nombreux reportages favorables sur Jill Stein. Des reportages en anglais, d'accord Qui, à l'époque, sont diffusés sur YouTube. Parce que YouTube n'a pas encore entendu, euh, n'a pas encore interdit RT. Donc RT va collaborer, va, 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 va contribuer à cette euh, popularité de Jill Stein. Donc en décembre 2015, elle est invitée et en novembre 2016, elle va Jouer un rôle dans l'élection de Donald Trump. Entre-temps, la machine russe, volontairement ou involontairement, la soutient sur les réseaux sociaux, mais aussi, donc, comme je viens de vous l'expliquer, sur RT, qui diffuse de nombreux, euh, non, nombreux de ses meetings, euh, par exemple, et qui, chaque fois, la traite de manière positive. Hein, D'accord C'est vraiment important de savoir ça. Elle est chaque fois présentée une lumière positive dans les émissions euh, en anglais, en anglais américain, euh, qui sont, euh, deviennent des clips que l'on retrouve sur Facebook, que l'on retrouve sur Twitter et des émissions euh, sur YouTube. Et donc lors de ce repas, Gilles Stein est, euh, est installé à une table avec Michael Flynn. On va commencer par ça. Donc Michael Flynn que vous voyez euh, en pleine conversation euh, téléphonique, Jill Stein est au premier rang. C'est la dame avec les cheveux gris. Euh, et donc euh, Michael Flynn, Michael Flynn, on le sait, euh, c'est euh, le euh, leader du mouvement euh, QAnon, un allié de Trump, gracié euh, par Trump, amnistié par Trump, mais un euh, pur et, 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 et dur de la de la, de, de, de la, de la, trompe, de la tromposphère, euh, si vous voulez, un soutien pur et dur. Donc à cette table, euh, elle est invitée, donc il y a des milliers d'invités, et le hasard, entre guillemets, fait qu'elle se retrouve avec une table avec trois personnalités importantes. Un, Michael Flynn, deux, le porte-parole du Kremlin, qui est l'homme que vous voyez sur la photo, qui est assis directement à sa gauche, et face à elle, Vladimir Poutine elle-même. Donc on est en décembre 2015, on est à euh, moins de un an de l'élection présidentielle et une candidate à l'élection présidentielle est en voyage à Moscou à la table de Vladimir Poutine. D'accord C'est une histoire qui est assez méconnue, mais qui est extrêmement euh, intéressante. Donc, évidemment, elle, de son côté, interrogée en 2017 dans un média, là, elle en a parlé une seule fois en disant Non, non, mais en fait, on était assis à la même table, mais personne ne s'est parlé, il n'y a pas de présentation qui ont été faites. Et donc, quand vous voyez les photos de ce gars-là à Moscou, vous voyez qu'il y a des milliers d'invités, et comme par hasard, Jill Stein et Michael Flynn. Euh, se retrouve avec euh, Vladimir euh, Poutine. C'est extrêmement intéressant. Donc on renvoie, une fois qu'on a tout, ce, tout ce, ce, cette espèce de, de background sur euh, Jill Stein, qui, se, qui a annoncé donc, la semaine dernière qu'elle allait se présenter, elle a annoncé ça vendredi, qu'elle allait se présenter euh, pour faire euh, opposition à Biden et à Trump, on en revient sur mais est-ce que la candidature de euh, Jill Stein a eu un effet sur, euh, a eu un effet sur l'élection présidentielle et la victoire de Donald Trump. C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si on se dit qu'aujourd'hui, la candidature de Jill Stein peut être euh, un problème pour euh, Joe Biden ou pour les démocrates, il faut se reposer, reposer en 2016 et en se disant. Quels ont été les faits Donc on a parlé de ces 1% d'élections générales, mais moi je vais vous parler au niveau de l'État. Et on va aller voir trois États, les trois États clés que Trump a emporté, les trois États clés de la, de, la, de, la campagne, de la campagne présidentielle de 2016. On va commencer par la Pennsylvanie, qui était un État extrêmement important, avec une victoire surprise de Trump en Pennsylvanie. Donc, Trump a gagné la Pennsylvanie avec 44 292 voix d'avance, donc 44 000 voix. La candidature de Jill Stein a fait 50 000 voix. Donc, on voit que, tiens, ce qui est intéressant, c'est qu'il a manqué 44 000 voix euh, et des poussières à Hillary Clinton, et Jill Stein en a fait 50 000. La plupart des électeurs de, de, de Jill Stein sont justement, pas tous, mais en majorité, c'était des gens qui étaient de la gauche américaine, des démocrates, qui souhaitaient voter, mais ne souhaitaient pas voter pour Hillary Clinton. Et donc, euh, on voit qu'en Pennsylvanie, ça a pu avoir un effet. C'est assez proche, mais ça a pu avoir un effet. Donc on part ensuite sur le, le Wisconsin, qui là aussi, le Wisconsin s'est joué à quelques dizaines de milliers de voix. Trump a gagné par 22 700. 48 voix, 22 748 voix. Et lorsqu'on regarde la candidature de gerstein, euh, Stein, elle a fait 31 072 voix. Donc, elle a fait encore une fois suffisamment de voix pour euh, permettre à Donald Trump de gagner. Et enfin, et c'est là que ça devient le plus intéressant parce que là, c'était une surprise, euh, c'était une surprise euh, vraiment générale, c'est le Michigan le Michigan, terre euh, historique du, euh, de, 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 du fameux mur bleu euh, du Parti euh, démocrate, avec tous euh, tout ce, ce tout ces Russell, tous ces euh, ouvriers. Et donc on pensait que dans le Michigan, euh, Hillary Clinton euh, allait euh, l'emporter facilement. Et en remportant le, Michi le Michigan, elle aurait gagné l'élection présidentielle. Et dans le Michigan, la victoire de Trump, alors là, c'est la, la, la victoire la plus serrée. Trump a gagné de 10 700 voix. Donc de 10 700 voix. D'accord Moins de 11 000 voix d'écart entre Trump et Clinton. Jill, Jill Stern, le, le Michigan, c'est l'État où, comme par hasard, il y a eu le plus de propagande euh, russe. Euh, qui euh, a mis en avant Jill, Jill Stein et donc c'est l'état où elle a le mieux performé et donc son score est de 51 473 voix elle a fait 52 000 voix lorsque Trump a gagné à peine de 10 000 voix dans une terre démocrate où Hillary Clinton a sous-performé, d'accord donc je ne dis pas que c'est à cause de Georgetown que hillary clinton a perdu c'est principalement à cause des démocrates et à cause d'elle soyons clairs. Euh, un jour on, revisit, on revisitera, revisitera ce dossier. Euh, ce dossier là c'est extrêmement intéressant ça pourrait être un des dossiers de la chute d'ailleurs mais dans tous les cas il y a un effet extrêmement troublant cet état qui était un état clé Trump le remporte de 10 000 voix lorsque Jill Stein, soutenue soutenu volontairement ou euh, involontairement, euh, a bénéficié d'un support extrêmement fort euh, de l'appareil la, de, de, de propagande de Moscou pour, euh, dans le Michigan où elle a fait son meilleur score avec plus de 50 000 voix d'écart. Et donc, c'est impossible de regarder ces 51 000 voix et de se dire que dans ces 51 000 voix, euh, il n'y avait pas 12 000 voix, 15 000 voix qui appartenaient à Hillary Clinton et qui lui auraient permis de remporter le Michigan et empêcher Donald Trump euh, d'arriver à la Maison Blanche en 2016. Vous voyez, les, les élections, des fois, ça se joue sur ce genre de points de détail. Donc aujourd'hui... Jill Biden, euh, Jill Biden, oh là là, le, le, le lapsus. Jill Stein euh, a annoncé donc vendredi qu'elle se représentait. Donc aujourd'hui, elle est euh, à, nouveau, euh, à nouveau, candidate, avec ce risque euh, d'être, euh, à nouveau cette espèce de, de spoiler, donc de d'éléments de, 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 qui fasse, euh, qui va porter un préjudice euh, à Biden. Après, pour vous rassurer, donc je vous ai raconté ce qui s'est passé en 2016. Je pense que nous sommes dans une situation différente. Je ne dis pas que Gilles Stein ne va pas prendre des voix à Biden. Elle va sûrement en prendre, comme Cornel West va euh, en prendre, euh, c'est certain. Mais dans la réalité, euh, je pense que son impact est limité. Impact limité parce que, un. Euh, nous sommes plus en 2016, elle ne pourra plus bénéficier de tous ces services rendus volontairement ou involontairement. Par, euh, par, euh, par, par, par Moscou. Donc, elle ne pourra pas bénéficier de, ce, de, de cette aide euh, au niveau euh, des, réseaux, euh, des réseaux sociaux. Et surtout, le traumatisme de 2016 est encore présent dans les camps euh, des démocrates. Et tout ce, que je vous avais, tout ce que je viens de vous raconter sera facilement utilisable euh, pour les démocrates pour montrer que de voter pour Jill Stein, c'est quelque part voter pour Donald Trump et. Voter pour Vladimir Poutine. Donc je pense que son impact sera limité, mais c'est quelque chose que, évidemment, à la chute, on va, on, on va suivre on va essayer d'avoir de la, de, la, de, de, de la data à mesure que c'est possible en termes d'inscription sur les, sur, les, sur les listes électorales, etc. etc. pour voir s'il si, euh, y a le même phénomène, parce que dans l'optique d'une élection serrée, et uniquement dans cette optique-là, une candidate qui est soutenue par une puissance étrangère, peut faire basculer une élection, comme ça a été le cas en 2016. voilà c'était nos deux, euh, de, nos, nos deux, euh, deux euh, insiders de la chute hein, cette rubrique qui va maintenant ouvrir systématiquement nos émissions du samedi on a des rubriques on a euh, lorsque c'est possible on a la rubrique de Cody sous le radar on a le moment MAGA, c'est dans quelques minutes donc je préfère vous prévenir là hein, de d'éloigner les enfants des écrans vous allez voir euh, ça va être euh, très particulier donc là c'est bien je suis en train de Thomas est en train de me... De mettre en avant quelques messages du, du chat. Je suis ravi de voir que, un, vous connaissiez pas ou peu ou mal euh, cette histoire-là et euh, comment euh, elle, vous, elle vous intéresse, elle vous a intéressé et comment, euh, surtout, elle vous, euh, j'espère, vous la garderez en tête à mesure qu'on va se rapprocher de la, du, sou, du, du scrutin et de voir, euh, lorsque vous allez voir passer des tas de messages sur les réseaux sociaux euh, favorables à à Jill Stein de vous demander euh, d'où viennent euh, d'où viennent ces messages-là. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux et en parlant de X, je suis en train, je vous en parlerai dans quelques semaines. Je suis en train de mener une euh, expérience, euh, on va dire, euh, qui est euh, uniquement euh, euh, à mon niveau, qui n'a pas de qui n'a pas de valeur euh, de valeur scientifique, mais je crois euh, qui va être euh, intéressante sur euh, le le, le biais politique de euh, X et de l'algorithme de X, on en reparlera euh, prochainement. Je pense que je vous écrirai un papier euh, dans votre pack euh, Insider de je ne me rappelle plus quelle forme euh, d'abonnement euh, sur qui, où nous étions tout à l'heure à 149. Abonnés, j'espère bien que comme nous l'avons vécu la dernière fois hein, ensemble, euh, on vivra le 150e ensemble. On a vécu le centième la dernière fois. Euh, J'ai vu que vous avez été aussi plusieurs à, à passer. Attendez, Thomas vérifie là, il va me le dire. Ouais, nous sommes à 149 abonnés sur, euh, sur Kiskis. Donc, euh, s'il y a, a quelqu'un qui veut aller essayer, rejoindre notre, notre, notre chat en, en s'abonnant à la formule euh, Sénat, par exemple. Il y a même des formules au-dessus avec plusieurs, avec plusieurs euh, contreparties. Euh, C'est le moment. Euh, je voudrais remercier les personnes qui sont euh, passées par euh, le euh, super chat. Christophe de Marseille. Merci, euh, Christophe. Avec une victoire pas très belle, mais une victoire quand même de Marseille il y a quelques jours en Grèce. Merci Lena, et comme l'a dit Cody, Lena est de partout. Elle est c'est une des piliers de la chute sur Kiski, c'est notre chaîne Telegram. Elle est présente en super chat et elle est aussi une des membres de la team Les Chutistes. Donc merci Lena, c'est vraiment très apprécié. Et merci Rachid aussi. Euh, et en plus qui nous dit qu'il va pousser. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important et c'est complètement gratuit pour le coup. Euh, euh, Mettez-nous euh, des pouces dans, euh, sous l'émission. Hein. Euh, YouTube est très sensible à ce genre de choses. Et c'est pareil, euh, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous euh, à la chaîne. C'est gratuit. Cliquez sur la sonnette, c'est gratuit et c'est une manière vraiment très sympa de nous, euh, de nous euh, soutenir. Euh, en parlant d'emoji et avant de passer à ce moment maga euh, on m'a dit que euh, voilà il y a un nouvel emoji euh, l'emoji fantoma euh, qui est à côté de moi donc euh, si vous pouvez nous montrer cet emoji fantoma ça serait euh, super euh, sympa et puis après on va avoir un, jing, un jingle le temps d'avoir euh, Cody euh, qui va faire ce moment qui va découvrir avec vous ce formidable moment euh, maga. Non, mais je suis en train de voir, donc voilà, je vois tous vos, tous vos emojis en train de, en train de diffuser, c'est bleu. Euh, J'espère que vous avez euh, aimé euh, la blague Thomas, Fantoma, Fantomas, Fantomas. Euh, on est des fans dans cette famille des films de, de Louis de Funès. On est presque tous des fans de Louis de Funès. Il y a quelqu'un dont je tairai le nom qui n'est pas vraiment fan, mais qui nous écoute, qui n'est pas vraiment fan de Louis de Funès, mais nous, on est à fond dedans euh, avec Thomas et Cody. Donc voilà, donc, un jingle, euh, Cody arrive, et on se retrouve pour le moment MAGA. Restez là, restez là, vous allez l'aimer. À tout de suite. Je ne sais pas si c'est très sympa ce que je vais faire avec toi, Cody, parce qu'en ah. fait, je te fais venir. <rire> <Ouais>. <rire> Merci, euh, bonne soirée. Ouais, bonsoir, je te, fais venir, je te fais venir en direct et tu ne sais même pas à quoi t'attendre. Donc, je ne vais pas te poser des questions pièges. On est là, euh, je vais justement avoir ton, ton avis en tant que connaisseur. Tu es, euh, tu es dans une école de, de cinéma, tu es, euh, tu es sensible à tout ce qui est euh, artistique, donc forcément, tu me fais peur. <laughs> donc forcément, tout ce qui est euh, artistique. Et donc aujourd'hui, on va euh, se promener euh, dans le monde MAGA de euh, l'art par euh, intelligence artificielle. Je ne sais pas si le mot intelligence, tu vas voir, hein, mais oui. par le mais mot je... intelligence artificielle, et la manière dont le mouvement MAGA, mais pas que, euh, est en train de... Euh, D'essayer de dépeindre notre ami Donald Trump. Euh, mais je pense que heureusement qu'il ne voit pas ce morceau, cette séquence à mar Maralago, sinon il en aurait mis du ketchup, il en aurait mis de partout. Donc on va commencer, pas par des, euh, pas par des, euh, pas par des moments pro-Trump dans ce moment maga, mais euh, la première fois où l'intelligence artificielle a explosé autour de Trump, peut-être tu t'en souviens, c'est avec toutes ces illustrations autour d'une arrestation de euh, Trump. Donc, je ne sais pas, Thomas va nous montrer euh, quelques images. Donc, euh, donc voilà. Donc... Euh... <laughs> Okay. Euh, Trump essaye d'empêcher de, 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 d'aller de, dans les tribunaux. Bon, c'est forcément exagéré, surtout que lorsqu'on le voit arriver, euh, en principe, les policiers le, le saluent plus qu'autre plus qu chose. Alors, Cody, est-ce que tu sais euh, une des manières pour. Euh, ça, c'est vraiment un conseil. Euh, une des manières d'aller détecter euh, comment euh, ces images. Il y a plusieurs manières, mais une des manières de comment détecter que ces images sont euh, des fausses au-delà de, du grotesque de la situation vous allez voir tout à l'heure on va avoir des images plus réalistes euh, donc est-ce que tu sais ça bah là j'en ai deux un Trump n'est pas assez orange et deux il fait un mouvement quasiment athlétique donc euh, là on sait que c'est quelque chose qui n'est qui n'est pas vrai et il me semblait que sur la première photo lui aussi il avait une ceinture de policiers on dirait où <laughs> lui aussi il a le ouais. bah, tout son équipement euh, comme s'il faisait partie de la brigade et hop et il se disait non on va le mettre en prison donc euh... oui, donc heureusement mais c'est en train de c'est euh, disparaître c euh, ces images générées par de l'intelligence artificielle euh, souvent euh, font des erreurs donc vous avez vu que la Trump est euh, équipée euh, comme policier une des manières aussi euh, de voir ça évidemment en général il y a des outils comme euh, TinEye comme Google qui vous permet de euh, réverser une, une recherche, d'aller chercher une photo, vous mettez la photo euh, sur Google Photo par exemple, et euh, ça vous dit cette photo de quand elle date. Donc, ça, c'est une manière extrêmement pratique pour aller voir les, les fake news. Surtout en ce moment, il y a énormément de photos sur la situation euh, au Moyen-Orient qui, euh, qui sont recyclées comme s'il y en avait besoin, la situation est déjà suffisamment tragique. Donc ils sont recyclés d'autres événements, d'événements plus anciens, y compris à d'autres endroits, et qui sont réutilisés en vous disant, voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël ou en Palestine. Pareil pour l'Ukraine, par exemple, et la Russie. Et donc c'est une, une bonne manière d'aller vérifier. Et puis il y a d'autres choses, la, 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 les mains, par exemple. La plupart des... L'intelligence artificielle a des difficultés avec les mains et avec le nombre de doigts. Euh, très souvent, il manque un doigt ou euh, il y en a euh, un, un en trop. Euh, on se retrouve, vous voyez, la main premier plan, comme nous le montrons Thomas. Il y a que euh, quatre doigts dans cette main-là. Donc, euh, allez... Euh, euh, aller, euh, aller vérifier le nombre, de, le, le nombre de doigts ou alors ce ne sont pas les, bonnes doigts, les bons doigts. Euh, une autre une autre euh, une autre difficulté de l'intelligence artificielle, mais tout ça, ça va disparaître. C'est ça ce qui est inquiétant avec tous ces deepfakes. Euh, une, autre, une autre manière d'aller spot ça, c'est euh, au niveau des oreilles euh, qui euh, très souvent euh, ne sont pas à l'échelle, ne sont, ne sont pas terminées. Euh, complètement. Euh, donc voilà, c'est une manière. Je ne sais pas si on les a sur ces photos-là, apparemment non. Mais en tout cas, ce sont des bons réflexes lorsque vous vous promenez sur les réseaux sociaux euh, de regarder les doigts et de regarder les oreilles, puis de vérifier surtout euh, ces photos dans des moteurs de recherche complètement. Donc il y a eu euh, tout ça. Donc évidemment, Trump a arrêté. Et puis, il y a eu, on les connaît moins, il y a eu cette espèce de mouvement contraire, une sorte de réunification de l'Amérique. Donc on va voir comment l'Amérique s'est réunifiée autour de Trump grâce à l'intelligence artificielle. Donc Trump-Biden, comment ça se joue. Donc on a un Thomas qui cherche ça. Donc voilà. Euh, on a eu ces fameuses photos de Trump et Biden. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils là. sont en train de faire un petit FIFA. Voilà, non. ils sont en train de jouer <laughs> euh, euh, à, la, à, à, la, à la PlayStation. Bon, c'est évident, lorsqu'on voit ces photos-là, euh, qu'on ouais. se dit que c'est problématique, il y a les problèmes dans les mains, puis vous allez voir le, les visages de, ranges, de, de, ouais. de Biden, etc. etc. Mais euh, ce qui est intéressant, je pense qu'on en a peut-être deux ou trois autres, c'est la manière, pas celle-ci, mais les prochaines, euh, on, va, on va continuer à regarder les, celles de Biden, sont utilisées, celles de Biden et de Trump, sont utilisées. Euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on voit la main de, de Trump au premier plan euh, qui, est, euh, qui est problématique. Euh, et donc, on va revenir une fois qu'on a passé sur ces moments d'union euh, nationale autour de la construction d'une manette de euh, PlayStation pour aller jouer euh, à FIFA ou Modern Warfare comme quelqu'un ici, n'est-ce hein, euh, pas <laughs> euh, Donc, l'autre le, 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 niveau et là on est, dans le, on est en train de sombrer peu à peu dans l'univers MAGA, c'est euh, évidemment Trump et la religion. Parce que Trump c'est euh, l'équivalent de Dieu, et donc euh, cette photo-là de Trump en train de prier euh, n'existe pas. Ouais. C'est une photo qui n'existe pas. Euh, si Thomas peut zoomer dedans, vous allez voir, c'est un cliché d'extrêmement bonne qualité, de Trump en train, de, en train, de, en train de, de, de prier. Et ce qui est troublant avec ce cliché-là, pourquoi pourquoi je l'ai choisi, après vous allez voir, on va aller un peu plus dans le, dans le ridicule du truc, mais pourquoi j'ai choisi ce cliché-là, c'est parce que Trump lui-même l'a posté sur Truth Social sans aucune explication, et lorsqu'on va lire les réactions... De ses fans, et lorsqu'on suit l'évolution de cette photo, lorsqu'elle débarque de Truth Social à, euh, à Twitter par exemple, ou euh, des chaînes Telegram de la. De la, de la, pas la nôtre, des chaînes de, de l'extrême droite américaine, on pense que cette photo est vraie et que c'est Trump en visite au Vatican. Donc Trump en visite au Vatican, en train de, de prier. Et donc, au-delà du fait qu'il est en train de prier, et tout ça, c'est quand même troublant. Je ne sais pas ce que tu en penses, qu'un candidat publie sur son site officiel, d'accord euh, C'est euh, ce, ce genre de cliché qui n'existe pas. La qualité est vraiment effrayante quand on regarde ses cheveux, de voir comment la lumière impacte sur les cheveux. Et juste même son visage, quand on regarde, il n'est pas trop orange, il n'est pas trop blanc, il est vraiment... C'est une photo. Bon, on sait que Trump et la religion, ce pas vraiment deux choses qui... qui se mettent ensemble, mais quand on voit cette photo, on a vraiment l'impression que, que c'est une vraie... Si c'était n'importe qui qui donne hors Trump... Et en me montrant cette photo-là, je vous dis, oui, c'est une photo qui a été prise euh, ouais. dans une église. Oui, et ce, qui est, est ce en plus qu'il faut remettre en contexte, c'est que là, très souvent, vous me regardez sur un écran de télévision, vous m'avez envoyé des photos ou sur, une, ou, ou, sur une, ou sur une tablette, mais lorsque vous voyez cette photo de, 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 de passer rapidement en vous promenant sur votre écran de téléphone, vous pensez que c'est une vraie photo, et lorsqu'en plus, elle est partagée par Donald Trump lui-même, à partir de ce moment-là, on a vu aussi un autre candidat qui a utilisé des photos d'intelligence artificielle. C'est 210 et lui, 210 il les a utilisées pareil sur son compte officiel pour euh, s'attaquer à Trump. Mais ces photos étaient un peu plus grotesques, donc tout de suite, on a eu le réflexe de se dire Ah mon Dieu, euh, c'est euh, ce, ce sont des fausses. Mais en tout cas, il y a cette tentation aujourd'hui, lorsqu'on est candidat, d'utiliser ces deepfakes pour euh, venir euh, euh, mentir à vos électeurs. Donc euh, j'insiste là-dessus, soyez extrêmement vigilants, pas que pour les élections américaines, sur tous ces clichés euh, qui se promènent ou ces films qui se promènent euh, sur internet, parce que on a des faux. Euh, Trump et la religion c'est un autre un autre un autre de nos thèmes alors là bien sûr ce, ce cliché était euh, était euh, plus euh, était euh, vraiment troublant il euh, y en a d'autres où euh, c'est pour exprimer que euh, la foi euh, la foi de Trump je ne sais pas si on les a non, là, 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 là c'est plutôt Trump qui éclaire euh, éclaire le monde et en disant que voilà Trump est le seul garant on est dans le culte hein, le seul garant de notre de notre. de notre. de seul, le seul garant de notre, de, notre, de notre liberté. Bon, dans le même, dans le même esprit, euh, on en a, a d'autres euh, qui vont. Voilà, donc Trump et la religion, donc Trump en train de lire la Bible euh, et euh, inspiré. Euh, à l'opposé, on a euh, Biden avec le diable, donc on est vraiment. on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de euh, marteler des thèmes comme, contre, comme, le bien, euh, comme le bien et le mal. Euh, Qu'est-ce que vous entendez non, Tout à l'heure, on parlait de Biden. T'en penses quoi de ça C'est ridicule. Les deux, ils ont des corps qui ne sont pas le leur. Ouais. Euh, Biden, je ne sais pas pourquoi il a une tête la taille d'une pastèque et pourquoi son visage, à chaque fois, on dirait qu'il est éclairé dans un film du parrain parce qu'on ne voit jamais son visage. C'est vraiment... Ça fait peur parce que je sais qu'en 2016, il y a eu vraiment beaucoup de posts euh, façon blague, les mimes qui ont été utilisés pour faire de la politique. Mais au moins, quand c'était une blague, même si on savait pas de où ça venait, on peut voir que c'est une blague. Mais là, quand on a des photos, certes, celle-là, elle est vraiment euh, évidente que c'est quelque chose qui, qui est faux. Mais celle de Trump qui prie ou quelque chose comme ça, c'est vraiment. Mmh. Euh, c'est de la fake news, comme lui il aime bien dire. C'est de la fake news, ça. C'est d'avoir de, ouais. des images qui n'existent pas, surtout quand on ne dit pas ça, c'est quelque chose qui est faux. C'est pas, il dit, ah merci à MFN pour ce, cette belle image. Non, c'est euh, pour essayer de donner une image qui n'existe pas de, de lui. Oui, et puis, et puis ce qui est, euh, ce qui est fou, c'est qu'il y a, y, a, y a toutes ces erreurs de, de, de l'AI, comme le, le bras qui manque euh, à, à Biden, euh, par <laughs> exemple. Mais euh, tout ça, ça c'est fait avec des logiciels euh, publics, euh, accessibles, euh, accessibles à tous, euh, d'accord euh, et c'est une technologie qui, est, qui évolue euh, extrêmement euh, rapidement. Donc la, les qualités vont s'améliorer, les erreurs vont s'améliorer. Et puis, pensez tout à l'heure, on, on, on vous racontait comment euh, Moscou euh, avait soutenu la campagne de, de Jill Stein. Euh, pensez lorsque euh, une puissance euh, étrangère. Se décident à utiliser ces outils techniques-là avec des, avec des versions qui, pour le coup, ne sont pas gratuites, ne sont pas publiques et sont extrêmement plus puissantes. Donc, on va retenir dans le culte de Trump, parce que là, pour le coup, il y a un thème qui est extrêmement, extrêmement troublant dans le culte de Trump c'est Trump en espèce de tough guy. Euh, de durs euh, parmi les durs, y compris d'ailleurs lorsqu'il va euh, être en prison. Je ne sais pas, on a un tweet de Tim Pool euh, par exemple. Tim Pool, donc c'est ce, euh, ce euh, podcaster qui est un euh, pro-Trump et qui donc euh, nous explique que les démocrates pensent que la prison va, euh, va empêcher... Trump, euh, va arrêter Trump, mais il dit, mais après qu'il a gagné, qu'il gagne l'élection, et qu'il va se euh, autogracier donc il hein, n'y a pas de problème là-dessus, euh, ça sera le genre de gars auquel il faudra faire face. Et donc, Trump avec des tatouages. Donc ça, c'est une photo, encore une fois, tu, tu vois le réalisme de oui. ce, de ce, de, de ce cliché-là. Il y a un problème avec sa main euh, au, au niveau de, 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 de sa poitrine. C'est extrêmement étrange ce qui se passe dans, cette, dans ouais. ce territoire-là. Mais euh, sinon, si on va sur son, si on va sur son, sur son visage, euh, c'est euh, troublant. C'est troublant. Et encore une fois, tout ça est fait avec des logiciels gratuits. Mais ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est de montrer que même si Trump est condamné, dans le camp MAGA, on en fait quelque chose de positif. On a une autre illustration euh, dans, le même, dans le même esprit de Trump prisonnier. Donc voilà. Donc Trump... Là, le visage, il est un peu plus raté, mais ça fait peur cette image. Euh, J'aime pas, les formes sont bizarres. Non, mais c'est Trump chef... <laughs> chef de gang. Donc on Bien imagine sûr. que s'il va en prison... En plus, il va devenir le patron, euh, patron d'un gang. On a, on, on a tous vu ces films euh, et ces, ces séries-là avec, euh, avec ces énormes tatouages. Donc, il y a, a l'idée que voilà Trump, lorsqu'on le connaît, qui est obligé en permanence de mentir sur son poids euh, et, sa, et, et, et sa taille, ouais, exactement Stéphane, Orange is the new, is the new Orange. Donc pas de nous black, mais bon, euh, l'idée euh, c'est de montrer que Trump c'est tellement un dur parmi les durs que même s'il est en prison, regardez, il allait devenir chef de gang. Et puis, dans cette idée de Trump culturiste, hein, tu vois, tu vois la carrière ouais, du gars, bien sûr. il y a des choses un petit peu plus folles. Donc, allons-y, allons-y, Thomas. Je dis rien, on attend ta réaction. Euh, ok, je m'attendais pas de, de voir ça aujourd'hui. Euh, bah... Jamais de ma vie je m'attendais de, de voir ça. Donc, euh, Trump super-héros, là, là pour le coup euh, c'est un mélange entre, entre, euh, entre Hulk et, euh, <laughs> et je ne et sais pas. Mais bon, vous, <laughs> vous Il y a quelqu'un qui a vraiment pris le temps dans sa journée pour se dire je vais créer cette image-là et je vais la poster en ligne et c'est sûrement quelqu'un qui a 40 ans. Qui, qui a fait ça on est en plein dans le cul de la personnalité euh, il y en a d'autres dans le même esprit on va continuer dans le même esprit L'homme brioche, oui, c'est lui. On continue dans le même esprit. Donc voilà, c'est Donc, en noir et blanc. Donc vous voyez, là, là, au niveau du bras, on voit que l'intelligence artificielle n'est pas encore là. Hein. Ouais. Il, il, il s'est fait des grosses déchirures. Ouais, Mais ouais. l'idée d'avoir ce Trump, je, je, vous, je vous rappelle, les, je vous rappelle les, les photos de Trump en train de jouer au golf. Il y a une différence du jour et la nuit entre le Trump qu'on connaît et le Trump, le Trump balèze. Attends, ah, pense quoi Je sais que es, nous, on a remarqué que tu n'avais pas grand-chose à dire. Oui, bah, et quand, quand on voit une photo oh, encore une comme ça, on se demande, mais pourquoi Mais juste pourquoi Pourquoi on se dit, euh, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais, je vais faire une image de Trump euh, comme ça ouais. C'est vraiment très bizarre, surtout pour un milieu qui est... Qui, qui n'aime pas trop tout, qui est gay de se dire Ok, je vais passer mon temps à faire euh, une version plus beau d'un homme. Oui, c'est ho, ho, homo, euh... homo-érotisant, euh, comme on dit, il y a, y, a y a ce côté-là. Et ce cliché, pourquoi, pourquoi on a, on a, je l'ai sélectionné euh, avant qu'on voit le dernier qui est un cadeau, Cody ah, Merci pour ah, suis... toi. Euh, non, il y en a encore, mais Thomas euh, dit en aura un peu plus encore. Mais euh, ce, ce cliché, je l'ai sélectionné parce que, euh, il a été publié sur Twitter par une euh, des euh, soutiens de Trump qui, vous savez, la, la semaine dernière, par exemple, il y avait la soirée euh, il y a eu deux soirées à mar la semaine dernière. Il y a eu Halloween et euh, il y a eu une soirée de fundraising, donc de levée de fonds euh, pour Trump. Et cette personne-là était invitée comme, euh, comme une des personnes. Personnalité importante de l'entourage de Trump. Et donc, il y a ce genre de cliché qui est posté le plus sérieusement possible en disant que voilà, il n'y a que Trump qui peut protéger euh, les États-Unis parce que bon, vous avez vu le gars, quoi hein, c'est bah, quand oui. même pas mal, il a 77 ans, et il se débrouille. Hein. Même euh, euh, Schwarzenegger, qui est maintenant quasiment le même âge, qui, qui avait ce physique-là à un moment, il l'a Il l'a plus. plus. Donc, euh, un Trump, euh, maintenant un policier qui pèse euh, plus rien. Ça, c et, et, et donc, celle-là, euh, ouais, celle c'est celle pareil, c'est toujours c est, c est, c est, c est, ces comptes-là. Donc, pour le coup, il a ses 80 kilos, hein. là, ah il, ouais, il est là, il là, nickel. Il est... Et c'est pour nous dire, cette photo a été publiée le jour où Trump était à la barre des accusés. Pas des témoins, mais des accusés, d'accord euh, Il est co-inculpé à New York. Et donc, le même jour, on le voit en, en le publiant en photo avec une uniforme qui s'inspire de l'uniforme de la police euh, de New York. Et la légende de ce, de ce cliché-là, c'est que euh, Trump, euh, c'est l'ordre euh, et la loi, law, euh, uh, law and order. Et euh, le jour où il est au tribunal. Donc, vous voyez, on essaie de jouer le contraste au lieu de, pour ne pas mettre en avant que le gars, en fait, il est inculpé de différentes affaires on le présente comme ça. Il y en a d'autres dans, dans la même collection, j'imagine. Ah ben, non, oui, ça arrive. Gagne, hein? Tant que je gagne, je joue. Donc, ah, ouais. ah, mais ça, ça fait plaisir. Donc, ça, c'est Trump en Captain America. Ah, Captain America, donc forcément, c'est lui, euh, Captain America. Peut-être on peut un peu le décaler sur la droite. Ah, on ne l'a pas vu bien longtemps, il est déjà reparti. Voilà, on peut le décaler sur la droite pour pas que l'écran mange. Formidable euh, Thomas. Et donc de voir que c'est lors d'une réunion officielle à la Maison-Blanche. Hein, derrière, il y a euh, des membres de sa sécurité avec lunettes lunettes de soleil. Et donc Trump est là, prêt à partir en mission pour. Déguisé ouais. en costume. Ouais. <laughs> mais c'est pas Halloween. Hein. On a vu qu'Halloween, c'était quoi son costume pour Halloween euh, Trump en, on, Trump orange. Orange. Yeah. en Trump orange. En Trump orange. il n'est pas trop orange. Non. Euh, mais. Euh, il, il est prêt. Il est, il est prêt. Est-ce qu'on peut arriver à la dernière, Thomas, qui est le, le cadeau de la, de la chute à, euh, à, à tous nos abonnés, à Cody euh, et à tout le reste La photo euh, Captain America, c'est là où la personne a tweeté que c'est lui qui pourrait aller récupérer les, les, les otages tout seul, comme si Réal était... Euh, c'est vraiment... Euh, les gens, ils ne s'ennuient pas avec la technologie, c'est dommage. Bon, ben on va passer à autre chose. Tant pis, c'est pas grave. Euh, on termine le moment maga comme ça, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est pas très grave. On, on, on le refera. Ah, maintenant voilà, c'est arrivé à la dernière minute, euh, Thomas. Donc voilà, c'est un cadeau. C'est notre, euh, c'est notre cadeau. On glisse là sur la droite encore une fois et de la centrer. Voilà, c'est parfait. Euh, c'est notre cadeau pour euh, vous euh, remercier de votre fidélité. Euh, c'est euh, Trump en, je sais pas quoi. Bah vraiment merci de, de m'avoir eu pour cette, ce moment maga. Ça me fait vraiment plaisir d'être venu. On va <laughs> se faire censurer. On va se faire, merci pour va se faire censurer par, par, par... Thomas n'est pas content. Je vous le dis, vous ne le voyez pas, mais il n'est pas content à l'image qu'on qu ait montré ça, que ça ne soit pas prêt comme il faut. Ce sont les joies du direct. Mais bon, en tout cas, voilà. Enfin, merci maintenant. Euh, je verrai ça la nuit quand je vais essayer de dormir. Voilà, maintenant, maintenant, il faut euh... oublier. Bon, allez, une petite pause et on repart sur notre dossier, les procès de Trump. Salut, Cody. Salut, merci beaucoup. Merci, merci. à vous. Merci. Voilà, nous voilà, de, nous voilà de retour pour le dossier de la chute. On espère que euh, ces quelques secondes vous ont permis euh, d'oublier euh, ce que vous euh, avez vu. Euh, donc, on nous dit qu'il y a des limites, pas merci. Euh, J'ai vu que tout le monde était euh, choqué euh, de manière amicale. Thomas est persuadé que YouTube va nous flaguer. Euh, on verra ça, hein. ce, sont, ce, sont des, ce sont des photos très, très 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 pudiques. On verra. Eric dit qu'il doit aller se laver les yeux. Euh, Peut-être on devrait arrêter l'émission euh, tout de suite et se dire voilà, on a été tous traumatisés après ce moment, magas, et on n'a plus euh, l'énergie pour passer à autre, à autre chose, alors que euh, l'autre chose est pas mal chargée. Euh, donc, Léna félicite tout le monde pour euh, ce moment. En tout cas, voilà, c'est un moment qu'on prépare. Euh, euh, qu'on prend beaucoup de plaisir euh, à préparer avec euh, dans cet univers euh, maga où euh, même Trump est un euh, super héros de Captain America à, euh, à euh, ses fameuses tenues habillées pour aller au tribunal le jour où il débarque comme ça peut-être il gagne l'élection hein oh, on n'en sait rien bon allez on arrête euh, on retourne sur euh, une manière très sérieuse sur les procès de Trump qui est notre dossier euh, notre dossier du jour euh, et puis euh, en général, à la fin de l'émission, j'essaierai de prendre quelques questions. Donc, euh, si vous avez des questions par rapport à ces procès, par rapport à Gilstein, Stein, par rapport au moment Maga, mais je pense qu'on a fait le tour, mais euh, par rapport à tout ça, euh, gardez-les, préparez-vous pour euh, la fin de l'émission euh, pour, euh, pour me laisser l'opportunité de vous répondre. Donc, on retourne, on retourne avec l'actualité judiciaire. Du coup, pour Donald Trump, qui a été extrêmement chargé, vous avez vécu avec nous nos deux éditions spéciales autour de, du témoignage de Trump et d'Ivanka Trump à New York. Vous avez aussi vécu en termes de procès ce qui est en train de se passer autour du 14e amendement dans le Colorado. On va y revenir, mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est justement un aperçu. Euh, de, ces, euh, de ces procès parce qu'il y en a tellement qu'un on perd le, le fil et deux il y en a même dont personne ne parle qui sont des procès au civil c'est pour ça qu'on en parle beaucoup moins mais qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils euh, permettent de compléter le, euh, le tableau de ce, de ce personnage qui est présenté par une partie de l'Amérique comme un espèce de, de héros. Hein. On vient de le voir d'une manière exagérée euh, avec ses illustrations. Et donc, c'est important de montrer que euh, cet homme d'affaires euh, qui est euh, le, le, le héros de toute une partie de la population américaine, ben, en réalité, euh, c'est quelqu'un qui est euh, poursuivi pour viol, qui est poursuivi pour, euh, pour arnaque, qui est condamné dans pas mal de trucs. Et donc, ce que je voulais aujourd'hui, c'est qu'on ait une vision de ces procès. On va commencer, évidemment, par ceux euh, qui sont d'actualité en ce moment, qui sont ces plus connus, et on va commencer par euh, New York et ce procès que vous avez, vous avez suivi avec nous. Euh, la, 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 je viens de voir que la... Le moment où Ivan Trump a retrouvé, euh, a retrouvé la mémoire est extrêmement intéressant. Vous verrez encore une fois dans l'Express, dans la chute Express, euh, que j'en je euh, parle avec un nouvel éclairage sur la profession d'Ivan Trump, C'était extrêmement intéressant. Je suis allé revoir toutes les informations après le procès et il y a quelque chose qui m'a échappé pendant le direct dont je vous en parle dans la chute express disponible demain sur YouTube et dès aujourd'hui sur KissKiss. Kiss. Et donc, sur ce procès civil... Il y a eu donc euh, comment se joue ce procès. Donc vous le savez, je le répète très rapidement pour les nouveaux, c'est une deuxième partie d'un procès. La première, la première partie de ce procès en septembre euh, s'est jouée euh, sans, euh, sans même qu'il y ait euh, des débats, simplement euh, sur le dossier. C'était une procédure approuvée par les avocats de Trump et par la par la justice et donc euh, par, par les procureurs de Laetitia James, qui a déterminé que Trump, ses fils et la Trump Org étaient euh, était coupables de fraude euh, au pluriel et qu'au euh, terme de ces fraudes, on devait euh, enlever la licence économique des licence commerciale des 500 entités du groupe Trump, Trump Org et de les placer en liquidation judiciaire. Ce deuxième aspect a été mis en suspens jusqu'à la fin du procès, mais Trump a commencé donc cette deuxième partie du procès en étant reconnu. Coupable de euh, fraude, hein, il ne faut jamais l'oublier. Donc Trump est reconnu coupable. Vendredi, il y a eu une tentative des avocats de Trump de justement faire euh, rebasculer, d'annuler le procès, donc avec des plaidoiries devant, devant, le, devant le magistrat. J'ai suivi ça et ce qui était intéressant, c'est que le, euh, le magistrat a répété euh, la force du dossier en expliquant à Ngoron, en expliquant que. Euh, le, il y avait suffisamment de preuves à charge de la fraude de Trump dans ce dossier pour remplir la totalité de ce tribunal, ce qui n'est pas... Euh... Bon euh, pour Trump lorsqu'on sait que c'est le juge qui est aussi un jury et c'est le juge qui doit déterminer euh, si Trump doit payer une amende. Si cette amende doit être de 250 millions de dollars, celle doit être moins importante, plus importante et si surtout elle doit s'accompagner d'une interdiction de faire des affaires à New York pendant euh, 10 ans et de ne plus avoir de relations commerciales avec des banques installées euh, à New York, en gros toutes les banques du monde euh, pendant 10 ans. Et comme ce procès dévoile la dépendance de Trump au crédit, une décision, une confirmation au niveau de l'amende de la première volonté goron qui était de mettre le groupe en liquidation judiciaire, correspondrait effectivement à la fin de l'empire, la chute de l'empire financier de Trump. Et donc pendant euh, 4-5 semaines, c'est l'accusation la, euh, qui a présenté son dossier avec ses témoignages, avec, euh, avec ses experts, avec le passage à la barre de Don Jr., Eric, Ivanka comme témoin et, euh, et Donald Trump lui-même. Et à partir de la semaine prochaine c'est autour de la défense de faire pareil. Donc la défense va, euh, va faire venir des experts, par exemple, à la barre. Je suis assez curieux de voir la qualité des experts lorsqu'on voit que dans, euh, pour ceux qui suivaient l'émission, euh, faut-il disqualifier Trump euh, de voir que les experts euh, qui ont été utilisés dans le Colorado étaient, euh, étaient pitoyables euh, le, le, Les procureurs les Services de procureur se sont opposés à la présence de ces quatre experts pour évaluer la fortune de Trump. Euh, N'Goron euh, euh, s'est rangé dans le camp de la défense, c'est rare, il faut le souligner, en disant que euh, ces experts pouvaient venir, mais euh, avec des limitations, que euh, ils n'étaient pas là pour euh, qu'on vienne euh, qu'on vienne partir dans des discussions sans fin sur euh, des estimations de biens, que ces estimations de biens existait, qu'elles avaient été faites et refaites par des services compétents et que tout cela était dans le dossier, que ce n'était pas son travail en termes de magistrat de faire ces euh, estimations. C'est vraiment, euh, est, est vraiment important de le repréciser, que les, les chiffres avancés par Ngoron ne sont pas les siens. c'est un magistrat mais sont ceux de services fiscaux par exemple ou sont basés sur les déclarations de trump, euh, de trump lui-même. donc il va, y avoir, euh, il va y avoir tout cela. Euh, lundi, euh, ce lundi euh, il y a euh, aussi un appel euh, du côté de trump pour euh, tenter de euh, une nouvelle fois de euh, casser la première décision de sa culpabilité. Euh, D'après tous les spécialistes, il y a de très 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 fortes chances que euh, cet appel échoue pitoyablement comme tous les autres appels mais si je voulais vous en parler c'est pour vous montrer que sur New York dans le cadre de ce procès civil les procédures d'appel ne sont pas comparables à celles de ces procès au niveau fédéral où toutes ces procédures d'appel lui permettent de gagner de gagner du temps et donc là on n'est pas dans cette on n'est pas dans cette logique là. Le procès est en cours, il y a des appels qui sont discutés, des décisions qui sont prises quasi, quasi immédiatement. Donc le temps presse pour New York. Donc on va continuer à suivre évidemment ce qui se passe à New York. La fin du procès, qui devait donc se terminer à la fin de l'année, voire au début du mois de janvier, a été avancée. Elle a été avancée parce que les, euh, la défense a peu. D'éléments euh, euh, à en mettre en avant. Elle a annoncé que son premier témoin serait Don Junior. Donc Don Junior va revenir à la barre euh, la semaine prochaine pour apporter un, un témoignage euh, complémentaire. On verra aussi de quoi, euh, de quoi il en retourne. Euh, il n'avait pas, euh, pas subi de contre-interrogatoire lorsqu'il était venu parler mercredi prochain, parce qu'en fait, la défense se réservait le droit de le faire revenir. Est-ce que la défense fera revenir euh, Donald Trump Ce n'est pas impossible. Je n'y crois pas, mais ce n'est pas impossible. Euh, si jamais c'est le cas, évidemment, on refera une édition, une édition spéciale. Mais bon, en tout cas, euh, quels que soient les témoins, quels que soient les experts, la fin du procès est désormais prévue pour le 15 décembre et les, les décisions devront suivre rapidement, possiblement avant la fin de l'année. Ce qui veut dire que dans ce dossier-là, dans ce procès-là, on risque d'avoir une condamnation et une liquidation du groupe Trump avant la fin de l'année 2023. Et pourquoi c'est important Parce que... C'est euh, l'image de Trump, euh, son ADN euh, d'homme d'affaires est, euh, est, est imbriquée euh, à 100% dans celle, dans celle de, de candidat, euh, de président, et que euh, chaque fois qu'il y a une manière de, de faire tomber euh, la légende, euh, c'est euh, important, euh, important de le faire. C'est important de démontrer que Trump n'est pas celui-ci, celui qui prétend être, on l'a vu lors du témoignage de, de Ivanka, de, de, de comprendre ce schéma où Trump, qui est ruiné ou pas loin en 2011, qui a multiplié les faillites, dont toutes les banques ne veulent plus travailler avec lui, est obligé pour obtenir du crédit, il a besoin d'argent pour faire des investissements, pour faire tourner ses propriétés qui perdent de l'argent ou qui n'en gagnent pas suffisamment. Il est obligé d'avoir ce crédit, mais le crédit qui est lui est offert par la Deutsche Bank impose un contrôle annuel de ses richesses et que ce niveau de richesse soit au-dessus de 2 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars net, et que donc ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que les chiffres sont gonflés, document après document. C'est encore un des points sur lequel euh, Ngoron a insisté vendredi lors de cette euh, tentative des avocats de Trump de faire. Euh, annuler euh, la procédure, euh, d'expliquer que euh, les fraudes sont euh, bien, bel et bien établies euh, dans, les, euh, dans, les, dans les dossiers, qu'il euh, n'y a aucun doute euh, là-dessus. Euh, donc voilà, donc euh, avant de passer à, à Washington, un petit break, le temps pour moi de boire un petit peu de thé et on se retrouve tout de suite avec Washington. de partir sur Washington. Il y a Thomas qui vient de m'informer qu'on est plus de 150 abonnés sur... Euh, sur euh, c'est Végabev qui nous dit que la, euh, que la 150e abonnée, euh, c'est moi. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir... Euh, de nous avoir rejoints c'est très sympa de dire euh, nous sommes 152 abonnés sur euh, sur euh, sur Kiss Kiss. donc vous allez avoir accès à notre euh, normalement à notre à notre chat euh, Telegram pour vous retrouver 24 heures sur 24 7 jours sur 7 avec nos amis chutistes dont euh, dans Nour par exemple, Nour qui vient aussi en plus de euh, passer par euh, Super Chat, merci beaucoup Nour, je ne vous dis pas merci, je vais faire des cauchemars avec Trump en, gla en gladiateur à poil, mais non il n'était pas à poil, il était légèrement vêtu Nour, c'est pas pareil, c'est pas pareil, en tout cas merci beaucoup Nour de ta contribution à l'émission et ton soutien sur toutes nos plateformes, c'est vraiment super euh, sympa. Donc, retournons à nos procès de Trump. Donc, on a vu New York, et à Washington, évidemment cette semaine, euh, on est en train de vivre une période extrêmement intéressante euh, qui n'est pas la plus euh, la plus folle vue de l'extérieur, mais euh, qui est la plus importante. Depuis euh, deux semaines, euh, Trump a multiplié toutes les procédures possibles et imaginables pour faire annuler le procès, pour remplacer la magistrate, pour faire repousser les dates de ce procès-là après l'élection. Pourquoi Trump fait euh, tout ça euh, On sait que, par exemple, euh, et, et donc rendez-vous pour ça le 20 novembre, euh, donc on, on y arrive très vite, dans 9 jours. Euh, on sait que Trump euh, a, a fait appel, par exemple, de son, de son gag order. Donc, ça, c'est ce qui sera discuté le 20 novembre. Que désormais, ce n'est plus la décision de la magistrate, que c'est parti en cours d'appel à Washington, qu'il a l'intention ensuite euh, d'aller jusqu'à la Cour suprême. Il a annoncé dans, dans sa requête en disant que si sa requête était rejetée, il partirait de la Cour suprême. Pourquoi il y a cet effort formidable des avocats de Trump, cette formidable bataille judiciaire qui est en train de se jouer en coulisses sous forme de requête C'est parce que la juge Shotkan, jusqu'à présent, tient bon. Euh, elle a prévu ce, euh, ce, le début de ce procès au 4 mars de l'année prochaine, et pour l'instant rien ne la fait reculer. Elle continue à prendre les requêtes en disant que OK, elle va étudier les requêtes, mais. Et ça, c'est une grosse différence avec la juge Cannon en Floride. On en a déjà parlé, puis on va en reparler. Mais donc, du coup, elle prend les requêtes en disant Mais ça n'empêche pas de ne pas bouger le calendrier. En plus de ça, à chaque fois qu'elle prend des requêtes ou qu'elle demande des précisions, elle impose un calendrier avec des dates limites. De non seulement de dépôt, mais des dates limites de réponse à ces dépôts et de elle, du moment où elle va prendre sa décision. Donc il y a une volonté de mener euh, ce procès euh, vers l'avant. Et c'est pour ça que Trump est obligé il y a un véritable barrage. Qui se joue en coulisses en ce moment à Washington, pas en coulisses, mais dans les euh, au niveau du au, au niveau du tribunal euh, à Washington, pour euh, essayer par toutes les manières de euh, repousser tout ça, parce qu'on sait que c'est un procès qui euh, sera extrêmement euh, difficile pour Trump. On en parlait la semaine dernière avec la manière dont la juge Shotkan a pu euh, piéger euh, Donald Trump en euh, l'imposant de dire euh, euh, très rapidement s'il souhaitait euh, utiliser euh, la ligne de défense, que ce sont ses avocats qui lui ont conseillé de faire tout ce qu'il a fait pour empêcher euh, la passation de pouvoir et tenter de rester à la Maison-Blanche. Pourquoi c'est extrêmement important Parce que soit Trump... Euh, va dire euh, oui, euh, c'est ma ligne de défense et à partir de là, la juge Shotkan l'oblige, si c'est le cas, à communiquer la totalité de ses euh, conversations. Téléphonique et par email et des notes manuscrites de rencontres avec ses avocats, ce qu'il ne veut absolument pas rendre public, ou alors il va dire non, et ce qui veut dire que si ce n'est pas les avocats qui m'ont dit de le faire, c'est sa responsabilité. Donc il y a une partie d'échec qui est en train de se jouer à Washington, où Trump sait encore une fois que le dossier ne va pas. Donc on est dans ces, fameuses, fameuses, ces, fameuses, ces, fameuses, ces fameux trois niveaux. D'abord le dossier, Deuxièmement, la loi, et quand la loi échoue, c'est euh, l'opinion publique, faire du bruit, etc. On est dans là, cette deuxième étape à Washington, d'accord La première étape, euh, étape c'est le dossier. Trump sait que le dossier est extrêmement. Euh, négatif euh, pour lui. Euh, il sait qu'il y a des témoignages extrêmement forts, comme celui de euh, Bill Barr, mais aussi celui de euh, Meadows, dont on ne connaît pas les détails. Mais Meadows a été euh, a reçu une immunité pour venir témoigner contre Trump devant un grand jury, il a rencontré à trois fois les services du, euh, du magist... de l'équipe du procureur pour leur donner des informations. Donc ce sont des informations qui, lorsqu'elles seront connues et présentées euh, lors du procès, vont être dévastatrices pour Trump. Donc il sait qu'il ne peut pas compter sur le dossier. Donc ça, c'est terminé. Donc la deuxième option, et on en est là, et on est à la fin de ce moment-là, qui est celle d'essayer d'utiliser la loi. Qu'il les la loi pour cacher, ses, se protéger en termes de responsabilité, d'utiliser son statut d'ancien président, même s'il n'existe pas en tant que tel, pour dire que c'était ses obligations, etc., etc. Et pour faire toutes ces séries d'appels jusqu'à la Cour suprême, en espérant qu'un de ces appels fonctionne, parce que c'est ce qu'on appelle aussi ici la stratégie du spaghetti. Le spaghetti, c'est quand on en prend un et qu'on en en pleine cuisson et on le jette contre le mur pour voir s'il colle, et s'il colle, ça veut dire que, OK, c'est quelque chose d'intéressant, on va suivre euh, cette, euh, cette piste-là. Donc il y a toutes ces volontés d de se dire, OK, si c'est pas ça pour aller à la Cour suprême, ça sera ça. Si c'est pas ça pour la Cour suprême, ça sera ça. En espérant que la Cour suprême prenne un de ces dossiers et que la Cour suprême décide que pendant l'étude du cas Trump, de, du point relevé par Trump, le procès, la procédure amenant au procès, est suspendu pour rater la date. La probabilité de la réussite de cette stratégie du spaghetti est euh, extrêmement faible, euh, extrêmement faible encore une fois. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis assez convaincu que le procès de Trump à Washington aura bien lieu avant euh, l'élection présidentielle. C'est un point important. On passe tout de suite à la Géorgie après un petit jingle. c'est évidemment un procès un procès qui est extrêmement euh, critique pour trump il n'y a pas encore de date euh, d'arrêté euh, mais euh, l'idée de, de fanny willis c'est d'essayer de caler ce procès là avant l'élection présidentielle il va y avoir un petit peu des embouteillages on va, euh, on va en, en parler euh, aussi et donc euh, il y a en ce moment énormément de choses qui se jouent en coulisses en géorgie du côté de trump mais aussi du côté de, de Fanny Willis qui, on le sait, euh, a, euh, a contacté plusieurs des co-inculpés de Trump en leur proposant euh, de euh, collaborer avec la justice en échange d'une peine euh, d'une peine plus favorable, donc un plea deal. On sait que cette stratégie a fonctionné déjà à la surprise générale et à la surprise de, de Trump avec euh, Sidney Powell qui a accepté. De, de, de collaborer avec euh, Gina Ellis, avec euh, Chesbro. Et donc, dans cette optique-là, euh, on sait les prochaines cibles de, de, de Fannie Willis. Il y a deux ou trois autres personnes importantes autour de Trump, comme, euh, comme Eastman, euh, par exemple, qui était un des, un des, euh, un des avocats euh, qui a créé. Euh, tout euh, ce schéma de euh, utilisation, euh, fausse utilisation du 6 janvier et euh, donnant un pouvoir, un prétendu pouvoir, au vice-président. Pour refuser de certifier les résultats de l'élection, les renvoyant les, ravoyant les résultats d'élection au niveau des états, des états, des États contrôlés par des pro-Trump qui auraient inversé euh, les résultats euh, des élections. Il y a Eastman, il y a Clark euh, qui est un employé du département de la justice, que Trump voulait nommer comme euh, ministre, euh, ministre de la Justice, qui a créé des faux documents pour arrêter le recompte dans plusieurs États en expliquant qu'il y avait des enquêtes en cours du FBI suite à des fraudes, ce qui était complètement, complètement faux. Donc, ce sont des cibles de Fannie Willis et au-delà de ça, il y a aussi de voir ce qui arrive avec Meadows. Elle arrive avec Meadows et parce que Meadows, comme je vous l'ai dit, a accepté de collaborer au niveau fédéral avec Smith pour charger Trump à Washington, mais aussi parce que Meadows arrive, donc on va surveiller cette date-là qui est le 15 décembre dans le Trump Legal Tour, exactement euh, on va suivre ce qui va se passer parce que Meadows est parti dans des séries de procédures pour ne pas être jugé dans le cadre de, de l'État, mais au niveau fédéral en expliquant qu'en gros c'était un serviteur un serviteur de la de l'administration la, de, de américaine et qu'il n'avait fait que suivre que suivre les ordres. Le 15 décembre, c'est une date clé. Il va présenter ses arguments en appel pour peut-être aller jusqu'à la Cour suprême. C'est clair que si ces arguments-là échouent, la question de la collaboration de Meadows, d'un plea deal de Meadows en Géorgie, en Géorgie où je vous le rappelle, ou si Trump est reconnu coupable et que la procureur a demandé la peine de prison, c'est cinq ans. Minimum de prison dans le cadre du Georgia uh, RICO Act. Euh, et donc, euh, on va surveiller le 15 décembre ce qui se passe au niveau de MEDOS parce que si euh, ces procédures euh, terminent euh, et que l'on sait qu'il a déjà collaboré à Washington, on ne serait pas étonné que euh, Meadows euh, profite des, derniers, des dernières offres de euh, Fannie Willis pour venir charger Trump. Et autant vous dire que si Meadows vient témoigner contre Trump en Géorgie, euh, c'est game over, euh, Trump euh, se retrouvera tout seul, euh, seul responsable, et ne pourra pas échapper à la prison. Et c'est pour ça que Trump, euh, encore une fois, sachant que le dossier lui est euh, extrêmement euh, défavorable, que les témoignages euh, s'accumulent contre lui, qu'il y a des enregistrements audio de certaines conversations de Trump où il fait de la pression sur plusieurs élus pour, euh, pour qu'on lui, euh, lui donne une victoire. Euh, il y a toute une série de procédures en cours, que je suis euh, comme euh, du lait euh, sur le feu, euh, lancé par le très bon avocat de Trump. En Géorgie, ce qui est vraiment aussi une différence, c'est qu'il a un nouvel avocat qui est un des meilleurs avocats des Géorgies pour faire annuler son procès. Et euh, première et prochaine étape, et on y arrive tout de suite, le 1er décembre. Le 1er décembre, donc dans une quinzaine de jours, où il y a un appel de Trump qui va être diffusé euh, en direct euh, sur YouTube. Donc c'est fort possible qu'on fasse une émission. Nous aussi en direct pour vous raconter un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que les avocats de Trump vont plaider pour faire annuler la totalité de la euh, procédure euh, au nom d'une clause qui s'appelle la Supremacy euh, Clause, euh, qui est en gros le dernier euh, joker de Trump pour faire annuler ce procès, euh, en expliquant que euh, tout ce qu'il a fait pour empêcher les... Euh, euh, le, le, que les, pour empêcher qu'en Géorgie les, 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 la victoire de Biden soit reconnue, était nécessaire à sa fonction présidentielle. C'est assez gonflé, mais en tout cas, c'est un de ses axes, axes de défense. Donc ça, c'est prévu pour le 1er décembre. Ça va être sûrement passionnant et on sera sûrement en direct pour une édition spéciale. Donc si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la clochette parce qu'encore une fois, ça va être des horaires extrêmement particuliers. Donc le 1er décembre. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Pour la Géorgie, une petite pause, le temps de boire. On passe à euh, Maralago, à euh, la juge Canon. Et puis après Maralago, je vais vous parler de 4, 4 ou cinq autres procès dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. à tout de suite. Partons du côté de, de la Floride, cette fois-ci, avec le dossier, le dossier Mar-a-Lago, le coup de colère la semaine dernière de Trump, qui a euh, découvert que, au sacrilège, euh, parmi les témoins à venir de Jack Smith, il y avait des employés de Mar-a-Lago, dont euh, une femme de ménage qui s'occupe de la chambre de Trump, et qui vont, en fait, ce sont des personnalités qui vont. Euh, des, des personnages qui vont. Euh, témoigner du fait que euh, les dossiers euh, secrets de euh, la présidence américaine, des questions de sécurité nationale, traînaient sur le, 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 sol, euh, traînaient sur le sol de Maralago, de, Mar de la Chambre de Trump, que c'était visible pour tous, que elle, en tant que femme de ménage, a vu des secrets d'État, ce qui est un gros problème. Il va y avoir aussi un des chauffeurs de Maralago qui avait une spécificité, c'est lui qui allait chercher à l'aéroport de Palm Beach les VIP, les responsables et les personnes les plus riches et les plus importantes qui venaient à Maralago, et dans le cadre de ces fonctions-là, euh, il a euh, transporté euh, plusieurs euh, personnalités euh, étrangères et a pu entendre des bribes de conversation autour de ces documents. Vous savez, c'est un des points les plus importants, une des révélations de la fin euh, de l'été qui était planquée au cœur d'une de, euh, de ces requêtes de dizaines de pages déposées par, par euh, Smith, euh, le fait que euh, Smith euh, comptait euh, démontrer et prouver les raisons pour laquelle, lesquelles Trump avait récupéré ces documents à la Maison-Blanche et refusé de les rendre. C'est euh, un point extrêmement important euh, qui, évidemment, euh, est aussi extrêmement excitant parce que qu'est-ce que, qu -ce que euh, Smith a-t-il trouvé pour pouvoir affirmer qu'il peut, euh, peut justifier les, euh, et expliquer pourquoi Trump a volé euh, ces documents-là, pourquoi Trump a-t-il refusé de les vendre, a-t-il refusé de les rendre, a-t-il justement tenté de les vendre, de monnayer les informations qu'il y avait dedans, d'utiliser de l'influence, euh, on verra ça, mais avec ces témoins clés euh, qui ne travaillent plus euh, désormais à euh, Mar-a-Lago, il y en a un qui a été, qui a été renvoyé euh, récemment euh, après que euh, Trump euh, se soit rendu compte que euh, il refusait d'être représenté par un des avocats que Trump lui fournissait donc ses témoins à charge il y a aussi la secrétaire euh, de Donald Trump euh, qui elle aussi plusieurs fois a vu euh, promener sur des morceaux de table sur des sofas euh, des documents secrets comme vous le savez ce plan pour attaquer euh, pour attaquer l'Iran mais aussi des secrets euh, nucléaires donc euh, tout ça en termes de dossier, ça paraît extrêmement prometteur. et donc lorsque, euh, encore une fois, le dossier est négatif euh, pour un avocat, il reste euh, le euh, la loi. et là, formidable, c'est que plus de ça, il y a la loi et la juge, la juge canon, dont je vous ai euh, beaucoup parlé, et lorsqu'on a fait cette émission euh, spéciale euh, sur son sujet et comment elle était devenue une alliée de Trump, je vous rappelle que sa décision la plus importante a été de déplacer le procès qui était prévu à Palm Beach, euh, Palm Beach où euh, il y a une majorité d'électeurs démocrates, déplacé à Fort Pierce, Fort Pierce où euh, Trump a fait jusqu'à 70% des voix et donc d'un coup avec cette décision-là de faire basculer la couleur euh, politique du euh, jury. Hein. Je vous rappelle que même si le dossier est extrêmement bon, même s'il y a toutes les preuves, à la fin, c'est un jury populaire qui va décider de la, euh, de la culpabilité ou de l'innocence de euh, Donald Trump. Donc c'était une des décisions. Je vous ai expliqué sa stratégie des petits pas où elle prenait extrêmement euh, longtemps pour prendre une décision, ne donnait pas de calendrier. Et sur ces décisions, euh, chaque fois, euh, il y avait ce sentiment elle euh, mettait une énorme pression sur le ministère public, euh, ce, leur, leur, leur demandait des exigences qui euh, normalement ne devaient pas être le cas et qui par contre étaient euh, extrêmement coulantes avec le dossier Trump. Et donc au cœur de ces dernières décisions, il y avait la décision de savoir euh, quand euh, le procès qui est prévu pour le mois de mai 2024 euh, aurait lieu elle nous avait promis un appel une décision après avoir eu après avoir entendu les deux parties elle a mis un peu plus de deux semaines pour revenir avec une décision une décision normande où elle dit que finalement elle prendra sa décision le 1er mars prochain. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire qu'elle a elle dit, voilà, la date n'est pas remise en cause, on est toujours sur le mois de mai, mais je prendrai ma décision sur le, sur le, pour le 1er mars, qui est en fait une victoire pour Trump. Une victoire pour Trump parce que euh, cette, euh, cette incertitude jusqu'au 1er mars pose des problèmes dans les autres affaires de Trump c'est que pour l'instant, il y a eu une espèce d'intelligence d'essayer de trouver des dates de procès. On va parler tout à l'heure de l'affaire Stormy Daniels, euh, par exemple, où il y a un procès prévu à la fin du mois de mars, mais euh, le, euh, le procureur de New York, face à, à l'importance des autres cas, a dit qu'il était prêt de bouger ses dates par rapport à ça. Et comme on sait que Trump sera à Washington début mars, euh, c'est un point extrêmement intéressant. Mais là, aujourd'hui, par exemple, je viens de vous parler de la géorgie, Lorsque la Géorgie va planifier son procès, on va se dire bah ben tiens Trump est à New York est à, est à Washington au début du mois de mars, donc on va, on va, on va planifier une date. La juge Shotkan a déjà déclaré que le procès durait entre 4 et 6 semaines, donc on va choisir une date par rapport à ça. Mais problème, on ne peut pas choisir une date par rapport à ça, parce que peut-être il devrait être jugé à Maralago. Mais problème encore supplémentaire, c'est que en fait, on ne le sera pas jusqu'au mois de mars. Donc ça pose un problème dans les autres dossiers qui sont extrêmement problématiques et qui eux ont les moyens d'être euh, jugés avant l'élection présidentielle, de décider des dates, parce qu'il y a cette volonté euh, de la magistrate de dire non, moi euh, c'est mon propre calendrier, je fais ça toute seule et puis je vous informe de rien. Donc ça c'est pour la première surface qui n'est pas une bonne nouvelle pour euh, l'idée de se dire que ce procès euh, aura lieu. Avant l'élection présidentielle et qui donc pose des problèmes pour les autres, les autres instructions. Mais c'est encore pire que ça lorsqu'on va lire dans le, dans, dans, dans le cœur de cette, de, de, cette, de cette décision, de cet arrêt de la magistrate Canonne, on se rend compte que l'ensemble des autres décisions qu'elle prend vont encore une fois dans le, dans le, dans le, la, la décision, dans le sens dans le sens de Trump, en lui accordant des privilèges qui euh, n'existent pas et qui ne, pas, euh, qui, ne pas, euh, qui ne sont pas prévus, qui en soi vont imposer euh, un délai. Euh, par exemple, en terme, alors, ces termes des documents, de ces documents secrets, euh, comme il y a des documents aujourd'hui extrêmement sensibles, le gouvernement américain veut que ce soit des versions euh, résumées qui, euh, qui euh, soit euh, mise euh, à l'instruction pour pas qu'il y ait accidentellement des secrets euh, nucléaires, par exemple, des secrets de, de, de sécurité nationale qui soient euh, cités lors du procès. Ben, la magistrate a, a refusé cet aspect-là en expliquant en gros qu'elle souhaitait lire la totalité elle-même avant de décider quels documents... Doit être censuré ou pas, de lire la totalité des documents, ça ne se passe jamais comme ça. La réalité de cette volonté qu'elle va réaffirmer de lire la totalité elle-même des documents mot par mot fait que le procès ne pourra pas avoir lieu. Et il y a des dizaines d'exemples comme ça dans sa, dans sa requête où elle ne dit pas voilà la date va changer, mais dans la réalité, la date va changer. La date va changer. Et donc, non seulement elle tient en otage un petit peu tout le monde sans prendre une décision aujourd'hui, mais dans la réalité, c'est évident que ce procès n'aura pas lieu au mois de mai prochain. Donc est-ce qu'il aura lieu durant l'été Est-ce qu'il aura lieu à la rentrée Ou est-ce qu'il aura lieu après l'élection Le pari de Trump, c'est qu'il ait lieu après, euh, après euh, évidemment euh, l'élection. Donc on va suivre ça, mais encore une fois. La juge Cannon a, a rempli son rôle. Euh, juge Canon, vous le savez tous, toutes et tous, euh, qui a été euh, nommé par euh, Donald Trump et qui s'est euh, illustrée euh, jusqu'à présent euh, pour sa générosité envers Trump. La générosité tellement euh, qu'il aveugle par moments, c'est que dans, ces, dans cette... Euh, dans sa, dans sa requête, elle, elle, elle précise le calendrier dans lequel les parties doivent lui rendre tel ou tel document, en oubliant à chaque fois de mettre la date pour la partie civile, donc pour, pour, le, pour, le, pour, pour les procureurs. Donc voilà, donc ça, c'est extrêmement préoccupant. On va voir. Les options, je vous ai dit, sont extrêmement limitées pour, pour, pour Smith. Il n'y a pas de réaction officielle pour l'instant à, à ces déclarations, à cette possible, probable stratégie des petits, pas, des petits pas pour amener ce report du procès après l'élection. Je pense qu'à l'heure actuelle, Smith considère que son dossier est tellement fort que malgré... Malgré tout ça, il va obtenir une condamnation de Trump. Il se dit aussi que si le dossier avance à Washington, ben peut-être il est prêt à sacrifier et ne pas perdre ce combat, de essayer de modifier, que ce n'est pas grave si ce procès-là a lieu après l'élection, parce que Trump sera déjà condamné à Washington. En tout cas, c'est à suivre. On retourne on retourne à new york et comme le dit zabou et c'est vraiment ça canon est la seule juge que trump n'a pas attaqué ça veut tout dire exactement il a tellement pas attaqué que par moment on oublie qu'il y a cette instruction qui est en cours parce que évidemment elle n'est pas visée par trump parce que pour l'instant elle va dans le sens de trump. Donc on retourne à New York cette fois-ci, boum, on, on a promené, on a fait New York, on a fait Washington, on a fait la Géorgie, on est allé à Miami, et puis on remonte à New York avec la dernière inculpation fédérale, la, la dernière inculpation fédérale, de Trump, euh, qui est euh, dans le cas de Stormy, Stormy Daniels, pas fédéral, inculpation à New York, excusez-moi, euh, au niveau, euh, au niveau euh, pénal, donc dans du criminel, euh, où euh, Trump est euh, accusé de 34 chefs euh, d'inculpation euh, pour euh, avoir euh, frauduleusement truqué des euh, documents dans le cadre de la loi des financements et campagnes. En gros, et pour résumer, on ne va pas beaucoup plus en parler de cette affaire-là, Trump a, euh, craignant que, euh, que, Stormy Daniels, euh, que Stormy Daniels, une actrice porno avec qui il avait eu une affaire alors que Melania venait euh, juste ou pas loin d'accoucher de, 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 de Baron Trump, euh, donc, euh, ben, vous voyez, tout à l'heure, on vous a montré les images de Trump en termes d'homme de, de foi, de religion, etc. etc. Et euh, ben, dans la réalité, Trump a eu donc une relation sexuelle avec euh, Stormy Daniels et s'est euh, retrouvé inculpé de 34, de 34 chefs d'occupation pour avoir essayé euh, d'empêcher Stormy Daniels de révéler euh, cette relation dans le cadre de sa campagne 2016 en pensant que, évidemment, ça allait l'handicaper au niveau de sa campagne et donc il a détourné de l'argent dans le cadre de ses campagnes pour empêcher de parler. Donc, ça, le procès est prévu en mars 2024. Mars 2024, c'est aussi Washington. Donc, le, euh, le procureur Bragg a informé qu'il était prêt à modifier ses dates par rapport aux autres échéances. Donc lui aussi attend de savoir ce que va dire Canon euh, en Floride parce que euh, est-ce que ça veut dire que lui, euh, par exemple, en mai, il peut faire son, euh, il peut faire son procès à New York on n'en sait rien. Donc, vous voyez cet effet de canon qui bloque la totalité du calendrier des autres procès. C'est vraiment important. C'est que qu'on voit que son côté d'allié de Trump a des effets qui dépassent, qui dépassent la Floride. Et qu'aujourd'hui, c'est l'allié la, la plus active de Trump. Donc, on sait que euh, il a obtenu euh, sous serment, devant un grand jury, le témoignage de Michael Cohen, qui a fait ses chèques, qui est allé en prison. Qui a fait ses chèques à Stormy Daniels, qui a raconté comment il les a fait pour que Stormy Daniels ne raconte pas à des news, des tabloïds, sa relation sexuelle avec Trump. Donc, à suivre. On ne connaît pas de date, mais à suivre. Et. Euh... À, suivre. à New York, d'ailleurs, je, je, je voulais faire une petite parenthèse dessus, euh, c'est que euh, on a complètement oublié, et ça et c'est une affaire qui est en train de remonter aussi, que euh, euh, en décembre euh, 2022, euh, le, euh, le directeur financier de la Trump org a été euh, condamné pour fraude fiscale euh, au niveau des déclarations euh, des déclarations de salaire. Je vous l'ai dit, au lieu de toucher... De toucher de un salaire et que du coup la Trump Org paye des impôts sur ce salaire-là, il était payé en un appartement privé, en école privée pour ses petits-enfants, en voiture pour lui et pour sa femme, etc., etc. Des avantages fiscaux pour la Trump Org. Le directeur financier est allé faire de la prison. Pourquoi je vous en parle Parce que ce. ce ce dossier-là va revenir dans celui de New York et peut-être dans d'autres affaires parce qu'il démontre encore une fois une volonté de Trump de euh, essayer de euh, truquer euh, le système et du coup pose des questions euh, extrêmement graves de savoir... Euh, Ok, est-ce qu'une banque doit faire des crédits avec Trump alors qu'il euh, est dans ça, alors qu'il a été prouvé coupable Et ce n'est pas impossible que dans sa décision, euh, donc je vais la parenthèse après, N'Goron à New York utilise cette, cet aspect-là pour euh, justifier que Trump ne peut plus faire de business avec aucune banque. Donc on va suivre aussi cet aspect d'un procès qui est terminé. Mais vous voyez, des procès, il y en a plein euh, il y a évidemment ceux pour le du 14e amendement qu'on va suivre aussi euh, le Colorado avec cette semaine les plaidoiries des avocats de Trump et des avocats des six euh, citoyens du Colorado qui souhaitent que Trump soit, soit euh, euh, disqualifié des, des primaires et de l'élection. On sait que tout ça ira euh, au début de l'année euh, à la Cour suprême. Pareil au Michigan, où ça s'est passé la semaine dernière, où le magistrat a dit qu'il okay, avait entendu les arguments de tout le monde, mais qu'à la fin, il est bien conscient que ce n'est pas lui qui va, part... va prendre cette décision. Et même au Minnesota, où la demande a été rejetée, ce qui n'était pas une surprise si vous euh, suiviez nos émissions, je vous avais dit que le dossier a été extrêmement mal préparé euh, pour le coup. Euh, les, euh, la Cour suprême du, de, du Minnesota... A aussi évoqué la, le fait que ces décisions seront prises ailleurs. Ce qui veut dire, en termes de procès, qu'on peut s'attendre pour le début de l'année 2024 à un procès Trump à la Cour suprême pour le 14e amendement, euh, la section 3 du 14e amendement. Donc on va garder l'œil là-dessus et puis on va passer maintenant à la dernière partie de ces procès, parce qu'il y en a encore plein, qui sont les procès en civil. On se retrouve tout de suite après une petite pause. J'ai vu qu'il y a des nouveaux membres euh, chutistes. Merci euh, beaucoup aux nouveaux membres euh, chutistes. Fafa, euh, Fafa Gala euh, qui nous dit qu'elle euh, qu'il a ou qu'elle a enfin réussi à devenir chutiste. Ben, euh, 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 Amusez-vous bien avec vos emojis, avec vos badges, en sachant une chose, c'est que la moralité de tous ces procès, je vous ai parlé. Donc, de tous ces procès euh, au pénal, celui de New York est au civil, mais bon, c'est celui d'actualité. La moralité de tous ces procès, c'est que Trump est cuit. D'accord euh, À New York, je ne vois pas comment il va s'en sortir. À Washington, non plus. Euh, en Géorgie, il est très mal parti. Mar-a-Lago, c'est peut-être, même si c'est le, le dossier le plus simple pour condamner Trump, c'est peut-être son avantage d'avoir la juge canone, euh, peut-être il y aura des appels, on verra ça, on va suivre ce qui va se passer, mais en tout cas, la totalité, judiciairement, Trump est cuit, euh, toasté, grillé, carbonisé, euh, faites tout, euh, tout ce que vous voulez, Thomas me montre à l'écran, c'est toujours sympa de voir d'un coup cette espèce de tsunami d'emoji. Euh, donc, en procès euh, au civil, il y en a plein, il y en a plein, mais il y en a quelques-uns qui méritent d'autres intentions. Donc, on va le faire assez rapidement. Je ne vais pas vous saouler de, tout, euh, de tous ces euh, détails-là. Euh, euh, le premier, euh, le premier euh, qui est que je suis de manière qui, qui m'intéresse énormément, ce sont des policiers du Capitole. Des policiers du Capitole qui ont décidé de poursuivre Trump pour avoir incité euh, la foule à, euh, à, euh, à attaquer le Capitole et, entre autres,. À cause de ce tweet, lorsque, euh, lorsque euh, il a tweeté sur le fait que Michael, euh, Michael, euh, c'est Michael Pence, <laughs> que Michael Pence, euh, avait euh, refusé de, de qu'avait manqué de courage et comment d'un coup la foule suite suite à ce à, ce, à ce tweet là avait euh, avait euh, redoublé d'ardeur et forcé euh, l'accès euh, au Capitole. Et donc il y a des policiers qui l'attaque pour incitation. Ce qui est intéressant, malheureusement, ce procès-là arrive tard. Pourquoi Parce que Trump, encore une fois, a fait tous les efforts possibles et nécessaires pour éviter d'être jugé. Donc, vous savez, lorsqu'on vous dit « Ouais, mais regardez, tous ces procès, ils se passent maintenant parce qu'il y a l'élection. » Non, ils ne se passent pas maintenant parce qu'il y a l'élection. Ils se passent maintenant parce que Trump, depuis 2021, fait tout, pour empêcher d'être jugé dans ces cas-là en multipliant en multipliant les appels la beauté pour lui la beauté de la loi américaine la beauté pour Trump de la loi américaine c'est que il peut euh, déposer la même demande alors la même demande dans plusieurs procès alors qu'elle a été rejetée quelque part je vous explique il a utilisé plusieurs fois la, la, la ligne de demande que, euh, il avait pu faire certaines, certaines choses ou qu'il était protégé par euh, certains de ses agissements parce qu'il était président. C'est des procédures qui sont allées jusqu'en appel où il a perdu. Mais, avec quelques exceptions près, mais pour que vous ayez l'idée, il a le droit d'utiliser cette même ligne de défense dans ses autres procès. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Qu'il est attaqué euh, par quelqu'un, il va reprendre la défense qu'il a fait dans un autre procès, qui va entraîner le même recul de la procédure, parce que euh, la justice va devoir euh, se reprononcer sur, euh, sur cette question. Le résultat est le même, d'accord Mais toutes ces procédures ne sont pas faites pour gagner à terme des procédures. Il sait qu'il ne peut pas les gagner. Mais ces procédures sont faites pour retarder les dates. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec euh, ces euh, policiers euh, du, du Capitole qui ont été, euh, qui ont été euh, blessés lors de l'attaque, lors, lors de c'est qu'il a multiplié toutes ces procédures pour que le procès arrive maintenant. Donc ça, c'est prévu aussi en janvier euh, 2024, ce procès au civil. Trump n'a pas l'obligation l'obligation d'y aller. Toutes ces requêtes d'annulation de, 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 et de recours ont été annulées. Donc, on va suivre ça. Il y a aussi, à New York, et toujours en, en, en janvier, le, le deuxième procès de l'affaire Eugene Carroll. Eugene Carroll, vous vous en souvenez, c'est cette journaliste qui a raconté comment Trump a sexuellement abusé d'elle. Euh, elle a gagné. Elle a gagné devant un tribunal. Le juge a reconnu que c'était un, un abus sexuel. Depuis, l'arrêt a été redéfini en expliquant que cet abus sexuel était considéré comme un viol, que Trump avait utilisé ses doigts à la place de son organe génital, mais que euh, dans euh, tous les cas, euh, il y avait suffisamment de littérature et d'arrêts dans les deux cours et de, et de de, de précédent pour démontrer que c'était un viol, que donc Trump a bien euh, violé digitalement, euh, en termes américains, donc euh, en utilisant ses doigts, jean euh, Carroll. Il a été euh, condamné, il a été condamné à payer une amende de 5 millions de dollars. Sa seule défense euh, a été de dire que euh, ce n'était pas vrai, que. Euh, euh, ce n'était pas son style, qu'elle était trop laide pour lui, que ce n'était pas quelqu'un qui pouvait l'exciter, qu'il ne la connaissait pas, alors que justement il y avait des photos, euh, des photos des deux ensemble, donc tout ça a été rejeté par la cour, il a été condamné, et au lendemain de sa condamnation, ou le soir même je pense, il se retrouve invité à CNN et où il va rarement, et sur CNN, il va répéter exactement les mêmes mensonges et les mêmes insultes contre Eugene Carroll. Il y a une foule, hein, c'est lors d'une émission avec, avec une foule de supporters Trump, et donc à mesure qu'il se rend compte que la, la foule euh, rigole de ses, de ses sous-entendus graveleux sur Eugene Carroll, il en rajoute. Et Eugene Carroll, le lendemain, porte plainte à nouveau en disant que ben, finalement les 5 millions pour lequel il est condamné c'est pas assez il vient de me diffamer cette fois-ci euh, vu par des millions euh, de personnes et que donc et il doit euh, il doit euh, il doit cette fois-ci être recondamné et repayé à nouveau donc là trump euh, encore une fois lance toutes ces séries d'oppositions pour que euh, ce procès euh, n'ait pas lieu en expliquant que par exemple, comme sur euh... attention, celle-là est bonne. Hein, comme excuse, hein. comme sur CNN, euh, il était euh, en campagne et que la première fois qu'il a parlé de manière négative euh, sur Eugene Carroll, il était président, que insulter euh, Eugene Carroll faisait partie de ses obligations présidentielles. Non, n'est pas une blague, ça a été sa ligne de défense. Évidemment, le magistrat l'a envoyé euh, promener. Euh, et euh, dans des délais extrêmement rapides parce que l'avantage de la loi quand on ne définit pas de délai pour répondre on a vu qu'avec Canon c'est utilisé pour Trump c'est qu'elle prend énormément de temps pour répondre là le magistrat a répondu, euh, a répondu tout de suite défavorablement aux requêtes de Trump il a aussi imposé que le jury qui allait juger ce nouveau, euh, ce nouveau cas de diffamation euh, resterait anonyme parce qu'il craint qu'il euh, soit euh, visé euh, par Trump et par ses troupes MAGA. Et résultat, au mois de janvier, donc on y arrive aussi, au mois de janvier, il y aura à New York un nouveau procès, Eugene Carroll, pour diffamation, où euh, on va reparler de la manière dont euh, Trump a violé Eugene Carroll. Donc c'est le candidat MAGA favori, euh, favori des Républicains. C'est quelqu'un qui est dans des affaires judiciaires, des affaires de, de pression financière pour empêcher une star de parler, mais aussi des affaires de viol. Ne l'oublions jamais, ça continue à dépeindre le personnage. Je prends un coup, j'arrive tout de suite. Donc pour, pour vous montrer aussi la richesse de ces affaires, il y, y, y en a des toutes petites, euh, il y a euh, Eddie Grant. Eddie Grant, c'est l'auteur d'une chanson funky des années, euh, années 70-80 qui s'appelle Electric Avenue, euh, qui était euh, utilisée par Trump en 2020 euh, lors de ses meetings. Il leur a demandé plusieurs fois euh, d'arrêter. Ces fameux « cease and desist, vous savez, lorsque, et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs artistes qui ont demandé à Trump d'arrêter d'utiliser leurs chansons lors de ses meetings il A pas fait et donc Eddie Grant, son coup de génie, se dire Ok, euh, il, il a utilisé mes chansons au lieu de simplement lui demander d'arrêter, ben, je vais commencer à lui charger des droits d'auteur. Et donc, il est en train d'attaquer euh, à, à, à il est en train d'attaquer Trump euh, pour euh, non-paiement de 300 mille dollars de, euh, de droits d'auteur avec dommages et intérêts. Donc, c'est une toute petite affaire, mais c'est pour vous montrer que euh, il est vraiment de partout. Et comme dit du coup Didier, euh, ça va bientôt être plus rapide de lister les chefs d'inculpation dont il ne fait pas l'objet, que le contraire. C'est clair, euh, on aurait été plus rapide, l'émission aurait duré du coup, elle n'aurait même pas été expresse, elle aurait été euh, extrêmement rapide de vous dire, voilà, Trump n'est pas accusé de ça. Parce que pour le reste, euh, il y en a, bien vu, Didier. Il y a aussi, euh, et c'est les deux dernières affaires, il y a euh, le procès euh, qui va arriver, Michael Cohen. Le procès Michael Cohen, c'est que, euh, que Cohen, l'ancien avocat de Trump, qui a fait de la prison pour lui, qui a menti devant le Congrès pour protéger Trump, a décidé de se retourner euh, contre Trump et euh, de demander 20 millions de dollars euh, de dommages et intérêts pour justement avoir perdu une partie de sa carrière, avoir été en prison, avoir été, avoir été traîné, euh, traîné dans la boue pour avoir essayé de protéger Trump. Et justement, lorsque euh, euh, Trump a su que Michael Cohen l'attaquait pour euh, 20 millions de dollars, euh, il y a eu surenchère tout de suite euh, de Trump en hein, disant, voilà, tu payes 20, je te relance de 500 millions, euh, de demandant euh, 500 millions pour, euh, pour, euh, pour diffamation de la part de Cohen. Et Cohen, là, il a eu un coup de génie en disant, bah d'accord, euh, on va faire ça. Euh, et donc euh, à partir de là si on m'attaque pour diffamation comme n'importe quelle personne attaquée pour diffamation on a le droit à du discovery, hein, vous savez discovery cette procédure d'avant procès où on prépare le dossier et donc à partir de là le plaignant, donc Trump est à notre disposition pour euh, répondre aux questions de nos avocats dans des, des, dans des dépositions de pré-procès qui sont enregistrées et ça, gros panique de, de Trump parce que il ne veut surtout pas se retrouver dans cette position-là, et donc il a retiré sa plainte. Mais la plainte de Mickey Cohen, euh, Michael Cohen existe, euh, existe toujours, et donc il va demander 20 millions de dommages et intérêts à Trump. Dernière affaire dont vous n'avez absolument pas entendu Mark, euh, parler, et qui pour le coup vise Trump, vise Don Jr., vise euh, Eric, mais aussi la petite, la magnifique, la gentille Ivanka. Ivanka Trump, euh, qui est une affaire d'arnaque euh, pyramidale. Euh, c'est ce qu'on appelle pudiquement, euh, ici, le multi-level marketing, le marketing de plusieurs niveaux, euh, où Trump, euh, pendant euh, des années, lorsqu'il euh, était ruiné, donc au moment où, vous voyez, c'est intéressant... Où Ivanka est en train, avant qu'Ivanka négocie ses fameux prêts avec le, le, la Deutsche Bank, c'est un moment où Trump sort de faillite successives. Tous ses produits, que ce soit la, sa compagnie aérienne, ses steaks, son université, ses casinos, tout ça se sont effondrés un par un. Et il a besoin de revenus. Et à ce moment-là, il y a une compagnie qui vient le voir, qui lui propose de, que Trump devienne leur porte-parole. Et c'est une compagnie qui est basée sur un système pyramidal où on vous demande d'investir dans de l'achat de produits et de ces produits, de les vendre et de recruter d'autres acheteurs sur lesquels vous allez avoir une partie du pourcentage de leurs ventes, et comme ça, de devenir millionnaire. Et donc Trump va devenir le porte-parole de, de cette compagnie-là, et quelques années plus tard, l'année d'après, lorsqu'il va devenir animateur de son émission via Apprentice, et mettre en avant des compagnies auxquelles il croit, il va évidemment, alors qu'il est payé, ça c'est absolument pas dit à l'antenne, il fait venir cette compagnie dans deux ou trois épisodes de The Apprentice euh, en expliquant que euh, voilà, c'est des produits extraordinaires et que ça va marcher. Et donc, il y a quatre euh, personnes qui sont anonymes, encore une fois, pour des raisons de sécurité, euh, qui ont euh, déposé plainte euh, pour Trump en expliquant que c'est sur les conseils euh, de Trump, euh, qui euh, en plus, c'est le problème de Trump, c'est qu'il parle trop, il est un petit peu comme moi, euh, il parle trop, euh, mais pas dans le même sens, et donc euh, interrogé sur... Cette compagnie-là, euh, il avait présenté la chose comme si c'était une garantie euh, de euh, gagner de l'argent que d'investir euh, dans leurs produits. Et donc, il y a euh, quatre personnes qui ont euh, déposé, euh, déposé plainte, des gens de milieux assez, assez modestes, et qui racontent, par exemple, c'est l'exemple que je vais vous choisir, il y en a d'autres qui sont encore plus importants, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il est, euh, est assez symbolique. Donc, cette personne raconte que comment, sous les conseils... De Trump, elle a investi dans de l'achat de, des produits vendus par cette compagnie pour les revendre euh, ensuite et toucher sa part. Et donc, elle a investi pour 4600 dollars, 4600 dollars de produits conseillés par Trump et a gagné en tout et pour tout, je ne vous parle même pas de bénéfices, elle a gagné 38 dollars. Donc, 4600 dollars d'investi, 38 dollars dans sa poche de bénéfices mais 38 dollars en vente réelle en pourcentage etc etc euh, donc ça parallèlement à ça trump lui pour inciter les gens à utiliser son nom et euh, avec ivanka et avec les les, frères, les, les, frères, les deux frères trump lui a touché 8,8 millions de dollars pour vendre à des pauvres américains euh, leur rêve américain en leur expliquant qu'en gros, s'ils investissaient dans ces produits-là, eux-mêmes vivraient la même vie que lui vendait dans The Apprentice. Et ce procès, et c'est le dernier procès Trump, euh, est prévu pour le mois de janvier. Donc, euh, en gros, on vous offrira un calendrier euh, pour voir ça. Ce sera pas le calendrier des pompiers, ce sera le calendrier des procès euh, pour euh, vous mettre en avant tous euh, ces procès-là, cette actualité judiciaire. De Trump et qui euh, en même temps souhaite mener campagne. Il y a les campagnes des primaires. Mais bon, sa chance, euh, sa chance dans son malheur judiciaire, c'est que finalement, contrairement à un autre avocat, il n'a pas besoin d'être euh, sur le terrain tout le temps. Du moins, peut-être que lorsque les résultats de, de l'Iowa vont tomber et, et où il fera un score plus faible que ce que les, les, les sondages lui promettent. Euh, peut-être il, euh, il va devoir se rendre compte qu'il be aura besoin d'aller plus souvent euh, sur, sur le terrain. Mais en tout cas, on est en, plein, euh, on est en pleine collision programmée entre la campagne de Trump, les échéances euh, électorales, les primaires. Le, je vous rappelle que le, procès, le début du procès de Trump à Washington est prévu la veille du euh, Super Tuesday, le Super Tuesday qu'on vivra en direct. Ce sera une édition spéciale. Le Super Tuesday, c'est cette nuit où euh, l'essentiel des, euh, des, euh, des électeurs, des grands électeurs euh, au niveau des primaires, des délégués, excusez-moi, des délégués au niveau des, des, des primaires, sont, sont élus. Donc vous voyez, euh, autant vous dire que euh, on ne va pas chômer dans les prochains jours. Et donc c'est pour ça que c'est non seulement important de euh, s'abonner à la chaîne et cliquer sur la sonnette, mais aussi, comme vous l'avez fait lors de cette émission, de nous soutenir euh, grâce à vos super chats ou de venir euh, vous abonner euh, à, euh, à, euh, sur notre page KissKissBankBank ce qui nous permet de planifier tout ça d'avance, d'être certain que Thomas peut être là pour réaliser et, et réaliser, produire cette émission, que je sois disponible, que tout le monde soit disponible, qu'on ait le matériel, le matériel nécessaire, etc., etc. Donc merci vraiment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était complet. Ce n'est pas le dossier le plus passionnant, mais pour moi, il est clé parce qu'il euh, éclaire les différentes euh, de facettes de la personnalité Trump et de cette espèce de contraste d'arnaque. Je ne vous parle pas des photos de Trump déshabillées, mais cette espèce de culte de la personnalité euh, qui est mis euh, en avant par le mouvement euh, MAGA euh, et la réalité d'un personnage qui a bâti euh, son euh, empire sur euh, du mensonge sur des fraudes et sur des arnaques. Voilà, c'était les procès de Trump, c'était la chute. de laisser la place à Cody pour conclure tout ça. Je vous rappelle le rendez-vous, un euh, rendez-vous important et vraiment euh, faites-nous part de vos, de vos remarques dans les, dans les commentaires ou en venant discuter avec moi directement dans le chat de KissKiss. De, de Kiss, puis partagez s'il vous plaît la vidéo, c'est devenu très 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 difficile d'exister euh, sur X mais aussi si vous êtes sur, sur Blue Sky. Venez partager tous vos, euh, euh, vos avis sur notre nouveau format. La, la chute express donc, euh, qui est disponible dès aujourd'hui pour nos abonnés sur KissKissBank et qui sera disponible dès demain pour tous sur Youtube s'il vous plaît, s'il vous plaît, on compte sur vous pour regarder cette émission, pour la partager et pour nous dire ce que vous en pensez euh, merci encore une fois d'avoir été aussi euh, nombreuses et nombreux au rendez-vous on se retrouve la semaine prochaine pour euh, des space des space de la chute donc des émissions où on parlera lié plus à l'actualité, où on va discuter plus en... ah oui d'ailleurs d'ailleurs Thomas, est-ce qu'on avait des questions J'ai complètement oublié, ben oui ben oui forcément j'avais demandé des questions vous voyez je suis pressé de partir il faut que je termine mon dernier, euh, mon dernier tiers de scénario à terminer donc je vais faire ça, mais d'abord je vais répondre à vos questions avant que Cody euh, laisse la place et remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à la chaîne et vous donnent rendez-vous. Donc, Clem demande pourquoi Canon bloque, bloque les autres procès, pourquoi ne peuvent-ils pas aller au bout sans son jugement euh, bah En fait, c'est du cas par cas pour que des témoins soient disponibles, mais aussi, par exemple, lorsque... Le, euh, le, 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 pro, le procureur Bragg à New York dit nous on est prêt à déplacer pour pas venir euh, poser des problèmes euh, pour Trump euh, pour, pour, pour que des procès plus importants euh, soient mis en avant il ne peut pas fixer sa date tant que elle ne l'a pas fixée parce que dans l'ordre d'importance le procès de Maralago sur des documents euh, sur des documents euh, classés secrets d'affaires c'est justement le cas de dossiers importants donc lui doit être obligé d'attendre de savoir quand est-ce qu'est la date de mar a pour décider le procès Stormy Daniels. Ou alors, il risque de courir le risque de dire Ok, je, je mets cette date-là, et du coup, le camp Trump va utiliser cette excuse pour dire à, à, à Canon qu'ils ne peuvent pas être à, à, à Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride parce que il y a déjà un procès ailleurs. donc c'est vraiment un jeu du chat et la ch souris et c'est pareil et c'est pareil en, en, en Géorgie euh, la, si la, la, la procureure décide une date pour le procès euh, elle veut être certaine que Trump soit disponible donc il y a d'autres procédures qui sont en cours donc imaginons qu'elle dise que on décide que c'est au mois de mai et que la juge, juge Canon décide aussi que c'est au mois de mai, il y aura une question de savoir quel est le procès qui prendra une précédence. Et du coup, pour Trump, la possibilité d'aller voir un magistrat en Géorgie et en Floride, et de dire on ne peut pas être aux deux endroits en même temps, et donc de faire annuler, c'est ce qu'il a essayé de faire la semaine dernière, sans que d'ailleurs ça, euh, ça, ça irrite la juge Canon, d'utiliser les, les dates de Washington pour faire annuler la, la Floride, pour faire repousser la Floride, et d'utiliser les dates de la Floride pour faire repousser Washington. L'idée, c'est ça, et donc c'est ce, qu ce, ce que les procureurs veulent éviter. De non seulement d'avoir cette espèce d'embouteillage qui ferait annuler la procédure et que Trump utilise ça, pas annuler, qui ferait repousser, et que Trump utilise ça pour faire repousser, euh, repousser tout ça. On a une autre question. Chantal. Euh, merci Chantal, qui nous dit qu'elle va tenter d'upgrader son abonnement sur KissKissBangBang. bang bang, euh, formidable. Je pense qu'il y a des manières très simples de le faire. J'ai posé la question à Kiskis, mais c'était jour férié en France. Pont en France, donc j'aurai les réponses en début de semaine, mais ça doit être très facile de le faire, j'imagine. Je sais que c'est une possibilité en tout cas. En tout cas, merci de votre confiance. Euh, risa qui demande d'ailleurs, Mike Pence a pardonné Trump qu'il a failli mourir ce jour-là à cause de son coup d'État manqué. Oui et non. Euh, à un moment, Trump a décidé, euh, après, euh, a décidé que c'était un thème de campagne intéressant pour lui d'essayer de démontrer que lui était un gardien de la Constitution lorsque Trump ne l'était pas, mais il n'a pas été euh, aussi euh, virulent que ça. Il a refusé, par exemple, de venir témoigner devant le comité d'enquête euh, sur, le, sur le 6 janvier. Euh, parce que il ne voulait pas venir le faire ni charger trop Trump. Hein. C'est dans une position particulière où il voulait être candidat euh, à la, à l'investiture. La, la il a été pendant quelques temps avant avant d'abandonner. Donc, je pense que il n'y a pas de réel pardon. On a vu les images. Comment? Les, euh, les manifestants euh, pro-Trump sont passés à une dizaine de mètres de, 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 de Pence. Les témoignages font qu'on sait que ce jour-là, Pence a eu peur pour sa vie. Euh, il a refusé d'évacuer euh, le, le Capitole euh, accompagné par les, par les Secret Service. Euh, donc je pense qu'il lui a, euh, il lui a pardonné en partie pour des raisons électorales, mais que sur le fond, il ne pardonnera jamais à Trump de l'avoir mis en première ligne comme ça. Parce qu'on a une autre question, ou c'est a une autre question, ben c'est formidable, on en profite. Euh, comment est-ce possible, alors c'est Olivier qui nous dit, comment est-ce possible qu'il soit condamné pour viol, ne fasse pas de prison et ne soit pas condamné à de l'inigibilité Parce que euh, l'affaire... Euh, L'affaire Jean-Yean -E. Carroll est une affaire en civil. Donc il n'y a pas de, euh, de peine possible de prison. C'est une plainte qui a été déposée en civil où euh, il y a euh, simplement des, euh, des, euh, des il y a un acte d'accusation. Donc il est condamné et il y a des compensations euh, financières euh, à la clé. Donc, ce qui a été le cas, il a été condamné à payer 5 millions de dollars d'amende, mais ce n'est pas une affaire qui a été instruite par euh, un procureur. Donc, de... c'est une affaire qui a été suite à une plainte en civil de Eugene Carroll. Et euh, inigibilité, ben, c'est parce qu'en fait, dans tous ces dossiers-là, dans tous ces dossiers-là, dossiers euh, il n'y a pas de inigibilité euh, qui a été retenue contre Trump, il a 91 charges chefs d'inculpation. Dans ces 91 ch chefs d'inculpation, il n'y a pas euh, l'inigibilité. La seule possibilité d'inigibilité, euh, c'est euh, que la Cour suprême, quelque part dans le premier trimestre euh, 2024, euh, décide de se ranger dans le côté de la section 3 du 14e amendement. On en est loin, on en est, on en est très très loin, mais c'est aujourd'hui la seule option. Il n'est pas poursuivi pour, pour des peines qui prévoient l'inégibilité. L'inégibilité est quelque chose d'extrêmement précis aux États-Unis. On vous l'a raconté plusieurs fois. Il peut être condamné, il peut être enfermé, il peut se retrouver en prison, il, ne, il peut être interdit de vote mais il peut continuer à se présenter. Ça a déjà été le cas dans l'histoire américaine avec un candidat à l'élection qui était dans un pénitencier fédéral. C'est bon On a fait toutes les questions ben alors, Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence, de vos abonnements à la team Les Chutistes. Alors, toutes celles et ceux qui sont devenus des membres, bienvenue, bienvenue à bord. Euh, et euh, remercier aussi pour vos super chats, mais je vais laisser euh, Cody faire ça, et surtout euh, à vos euh, abonnements sur sur euh, Kiss Kiss Bummer, et puis en plus c'est formidable quand je vois que euh, certains et certaines d'entre vous euh, souhaitent euh, upgrader leur appartement leur, leur appartement, leur abonnement, passer à la formule dessus On va, on va vous donner de plus en plus de, euh, de, de contenu. On est en train de s'installer, la peinture est encore fraîche. Il y a plein de surprises prévues pour vous. La première étape, c'était d'abord d'ouvrir cette page et de vous ouvrir ce chat qui fonctionne du feu de Dieu, comme dirait mon grand-père. Donc voilà, ça c'était la priorité, mais vraiment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. A euh, très vite, on se retrouve la semaine prochaine, lundi vraisemblablement, pour un space de la chute. On vous annoncera ça, ben tiens, dans le, dans, le space, dans, le, dans le chat sur Telegram. Et puis euh, surtout, euh, on n'oublie pas euh, demain, si vous n'êtes pas encore sur KissKiss, Kiss, demain, notre nouveau rendez-vous, la chute euh, express. Voilà, à très vite, merci. Bonsoir, euh, je crois que oui, bonsoir même pour les, les Québécois, là il commence à faire un peu plus euh, tard pour les Québécois, donc je voulais vous, vous remercier pour encore une fois une, vraiment une super émission et un, un chat vraiment super, merci pour euh, tous vos pouces, on est à 282. Donc c'est un bon chiffre, merci beaucoup pour, pour, pour votre soutien je voulais remercier ceux qui, qui nous ont soutenus avec des super chats, donc merci Léna comme toujours, merci Christophe Rachid et, et Nour merci vraiment à vous tous, c'est vraiment un soutien comme ça c'est vraiment ça nous fait vraiment du bien donc merci beaucoup et je voulais remercier Fafa et Zabou qui sont devenus des chutistes sur Youtube donc bienvenue Profiter des emojis, euh, je sais que c'est vraiment, euh, on s'amuse bien avec les emojis, donc je suis content que vous nous rejoigniez. Et je voulais aussi remercier encore une fois tout le monde qui est passé par la chaîne euh, Kiss Kiss, c'est vraiment la meilleure manière de nous soutenir. Merci beaucoup, et je, je sais que là, on va se retrouver dans le chat Telegram, même s'il est tard, je sais que euh, les amis de, de la chute, les chutistes vont se retrouver. Donc je vous souhaite tous une bonne nuit, merci encore une fois, c'était la chute.